Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, nous sommes actuellement sur la suite d'Elden Ring. Comme la dernière fois, j'avais totalement abandonné le combat contre les boss, hein, parce que c'était chiant. On est venu ici sans vraiment aucun but, si ce n'est que d'explorer un petit peu les environs. Et en regardant sur la carte, je me suis dit que peut-être que j'avais envie d'aller dans cette grotte. Et le seul moyen d'y aller, a priori, serait d'utiliser en fait... l'espèce de marécage ici là. Donc je vais le suivre jusqu'au bout. On est où actuellement? Attends, ouais. Eh wesh, je suis où moi? Ah, je suis là, ok. Donc du coup je vais juste me diriger dans cette direction. Et on va aller voir de l'autre côté. On va voir ce qu'il y a, hein, tout simplement. On repasse à côté de la petite église qu'on a réussi à ouvrir en tuant 3 tortues fantomatique. On se rappelle aussi que de l'autre côté de la map, attendez, si je me souviens bien, peut-être c'était à côté d'un grand, une grande dépression géologique. Ici, ouais, c'est par là. Je pense que c'est ici. Il y avait un autre endroit où on pouvait faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il fallait tuer 3 petites tortues pour ouvrir un passage. Alors, par rapport à là où je me suis actuellement, je vois qu'il y a une sorte de village juste là. Et une énorme statue d'ailleurs. Alors, peut-être qu'il y a un chemin pour y aller. Je suis jamais allé là-haut. Et vous savez quoi? Je suis quelqu'un de curieux. Alors, bon curieux qui se doit, je dois aller vers la droite. Je dois aller par là-bas. Et on va essayer de monter et on va aller voir. Et après on continue l'aventure. On est vraiment full exploration. On n'a aucun objectif particulier, genre battre un boss ou quoi que ce soit. Non, que dalle. Là on est vraiment en mode, je ne sais pas ce qui va se passer dans ce jeu. Donc du coup, je décide de visiter un petit peu. Voilà. Est-ce que tu penses finir Elden Ring aujourd'hui? Alors, Clara, impossible. Parce qu'a priori, je suis qu'au début du jeu. Parce qu'en fait, si on regarde la map... J'ai encore tout ça de map que j'ai pas découvert. Tout le haut, tu vois. Tout le gris, là. J'ai pas découvert. Je suis encore bloqué. Il y a des boss. Il y a tout ça. Il y a plein de trucs ici. J'ai jamais fait parce que je suis bas level. Donc, non. Le jeu, on va pas le terminer maintenant. On va le terminer dans plusieurs mois. Impossible de finir une journée à moins de speedrun. On peut le finir en 20 minutes, mais pour faire ça, j'ai vu une vidéo, le mec en fait il faisait un truc du style, il se mettait comme ça, et après je sais pas ce qu'il faisait, et ça, il se téléportait en fait sur toute la map. À moins de faire ça, c'est quasiment impossible on va dire de finir le jeu en une journée. Vu ce que je vois sur la carte, tu as le temps avant de finir Elden. Bah oui c'est ça, hein. Je suis d'accord avec toi, hein. Ça va prendre du temps. Wow! Aïe! Aïe! Alors, il y a beaucoup de mages qui deviennent invisibles, hein. Ils sont très nombreux. J'ai juste de la chance que personne ne me voit, en fait.
Genre j'ai vraiment beaucoup de chance que personne ne m'ait vu encore. Oh ok, maintenant ils m'ont vu. Oui, il y a une petite différence entre le gameplay du début et maintenant. Après là, je suis dans une zone sympa pour mon personnage. L'épée de chevalier de Caria. Oh. Alors, ils sont tous devant moi là, mais on va voir l'épée. Je ne peux pas la porter car j'ai besoin d'intelligence. Il n'y a que des armes d'intelligence, ça m'énerve. Moi, j'ai fait un build dextérité et je me retrouve avec rien en fait. J'aurais dû faire un personnage magique comme je voulais faire en fait, tout simplement. Là, je me retrouve avec rien. J'ai plein d'armes, mais ça me sert à rien. C'est vrai, j'ai vu que tu avais fait un live sur Elden Ring hier. As-tu beaucoup avancé? J'ai pas joué à Elden Ring hier, NF. J'ai dû... C'était avant-hier, je crois. On n'a pas beaucoup avancé. On a juste fait quelques pas. Et après, j'ai joué une heure, en fait. J'ai joué une heure. On n'a pas beaucoup avancé. Là, en fait, par rapport à hier... Par rapport au dernier épisode que t'as vu, normalement, je suis pas ultra avancé. J'ai essayé de battre encore la chimère léonique, j'ai pas réussi. Et du coup, j'ai dit bon, je vais aller ailleurs. Je me suis battu contre un dragon, et il s'est enfui en fait. Le dragon a arrivé à moitié de vie, il s'est enfui. Voilà, voilà où j'en suis. J'essaie de faire de la purée à partir de chips nature. Hein ? Le résultat n'était pas terrible, mais c'est la dernière fois que je suis une recette conseillée par un youtubeur qui a vu le tuto sur TikTok. Tu te rends compte quand même que les chips, c'est littéralement en fait de la pomme de terre qui a été, on va dire, extrêmement frite pour qu'elle soit croquante. Et du coup, elle a quasiment plus aucune vitamine ou quoi que ce soit qu'il pourrait avoir dans la purée, quoi. Ah attends, il y a un mec là-haut, là, regardez. Il me tire dessus et je suis... À la bonne distance, regardez, je ne bougerai pas. Je suis à la bonne distance en fait pour que son sort ne fonctionne plus. C'est dingue, hein. Alors je suis jamais venu ici. Mais comme vous pouvez le voir, il y a un mini boss là-haut et un mage qui veut vraiment ma peau, quoi. Bon, en attendant en fait, je vais aller faire pipi 2 secondes. Du coup, je vais m'asseoir ici en pin-up. Vous faites en sorte que mes personnages ne font pas défoncer, s'il vous plaît. Hein. Vous les surveillez. Hein. Si quelqu'un m'attaque, vous m'aidez. Hein. Attendez, hein, je compte sur vous. Avec un joli build dextérité, je te conseille une bonne cendre sanglant sur ton arme. Ah ouais? Le saignement, c'est bien? J'écris ce que je veux, comme je veux, ok, PCR. PCR? What? Qu'est-ce que tu racontes, Makeshift? Ah, PCR! Test PCR pour le Covid. Ah d'accord, il n'y a rien de pire que les chips. Moi, j'adore les chips, mais manger les chips, quand même une chips, quoi. Alors, si quelque chose arrive, vous m'aidez, hein, les gars. Vous me défendez, hein. Je compte sur vous. Je reviens.
Avec du lait, y'a moyen? Tu mets du lait dans les chips? Il est parti faire caca? Non! Il est parti faire pipi! Imaginez le mouton l'attaque. Les moutons peuvent attaquer dans le jeu, faut savoir en fait. Hey, vous avez pas l'impression que ça se rapproche un peu? Recoucou, recoucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, on va essayer de... J'ai juste peur que le convoi m'attaque si jamais je passe trop près. Yeiko, merci à toi pour ton sub. Hey Kaylina, j'ai pas vu. Kaylina, Jardinium aussi, j'ai vu personne en fait. Zetro, attendez, non, on va faire un récap. On a vu les follow. Voilà. Filter. Parce que là, je vois rien. Ok, d'accord. Alors, on remercie. On recommence depuis le début. Astrané. Astrena. Merci pour ton sub de 4 mois. OTRZZ, merci pour ton sub. Prostyle, merci pour ton prime. Folirex, merci pour les 100 bits. Zetro Twitch, merci pour ton prime. Jardinium, merci pour ton sub de 9 mois. 9 mois, Kaylina, merci à toi pour les 36 mois. Merci pour les 36 mois, Kaylina. Et Yeko, du coup, merci à toi pour les 4 mois. Merci beaucoup, les gens. Ça fait plaisir. Flèche, elle te touche. Ça se rapproche, hein. Ça s'arrêtait plus tôt avant. Attendez. What? Les gens, le bébête il s'est rapproché en fait. Je suis vraiment au moment où ça ne marche plus, tu vois. Volcanique, Waro, merci à toi pour les 3 mois, merci beaucoup. Genre si je fais un pas, genre j'ai fait un pas. Ah non, ça fait pas mal non plus. Bon bah écoutez. Je vais pas chercher. Je peux invoquer Jerry. Oh fuck, alors là ça. On va s'entraîner un petit peu avec le bouclier juste pour voir. Ah, il y a un coffre juste là. Vous savez quoi, je vais jouer avec l'épée de feu parce que... Parce que pourquoi pas, on va dire. Aïe. Ça va être compliqué avec l'autre gars devant. J'ai demandé l'aide d'un viewer pour un boss, car moi quand je le fais, personne ne vient jamais. Vu que je joue littéralement en hors ligne, du coup non, c'est jamais arrivé. Après, peut-être pour les plus gros boss, ce sera pas exclu, parce que je t'avouerai que j'en ai pas fait encore de très 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 gros boss. Donc on verra à ce moment précis. Mais sinon, pour l'instant, j'en ai pas besoin, puisque je... À part, en vrai, si, quand la chimère léonique, j'aurais dû demander de l'aide, en vrai. Vu que c'est un jeu multi, il y a moyen, en vrai. Mais tenez-vous prêt, en vrai. Donc, du coup, le jour où j'en ai vraiment marre des boss, et que j'ai décidé, en fait, que les viewers viennent m'aider, l'armée des Eldenringer va défoncer, on va dire, le boss ensemble. Hein. On revient sur la zone rouge. Non. Non. Non, s'il te plaît, non. Là, du coup, j'ai décidé de ne pas jouer avec mon katana. C'est ma faute. Hein. Si je... En vrai, j'étais là, ouais, je vais jouer avec un petit peu le katana. Mais en fait, non. Non, non, je vais jouer avec mon arme qui tue les gens. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'y passe? Devil Kill, merci à toi pour ton prime. Merci énormément, tu fais plaisir. Tu régales. Alors, du coup, on y va. Aïe! Ah! Je reviens, je vais tuer le magicien là-haut, il m'énerve. C'est lui là.
C'est la merde ici. C'est la merde ici. Yeah. C'est littéralement la merde ici. Attends. Non. Oh mon dieu. On va essayer de les avoir un par un, parce que là ça commence à devenir un peu compliqué. Du coup je vais invoquer aussi ces soldats là, ils sont bien. Les gars, c'était un peu dégueulasse comme combat. Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, Seroth, c'est comme une télé, mon émission de midi, parce que tous les jeux auxquels il joue, je saurais pas y jouer. Salut Totendox! C'est moi ou tu cries comme une fille? Ton perso, hein, pas toi. Ça lui arrive aussi. Hey! Un peu comme les 12 couches de midi, finalement. RIP. Non! Attends. Alors là, il s'est... Fuck. Là, il s'est passé des choses... innommables. Je vais aller récupérer littéralement mon... Je vais aller récupérer en fait mes âmes. Mais c'est un peu dégueulasse, hein. Je t'aime aussi, ouais, c'est ça. Il sait plus jouer. Alors, c'est pas question que je sais plus jouer, je me suis fait gangbang. Littéralement, Seb. Est-ce que t'as vu le nom quantité de gens qui m'attaquaient là? Et attaque-moi là. Oh boy. Là, on est là maintenant. Savoir qu'en plus que l'enregistrement il a dû être totalement corrompu tout à l'heure, donc du coup complicados, hein, parce que je suis censé mettre tout ça sur. Tout ça, je suis censé le mettre sur ma chaîne VOD ensuite, tu vois. Donc là, en fait, je sais même pas trop comment je vais le faire. Mais c'est pas grave. On fait avec... Aïe! On fait avec! Donc voilà, grosse coupure d'électricité qui est arrivée dans tout le quartier. C'est génial. C'est plutôt original. Je pense que ça n'a jamais été fait auparavant. Attendez. J'essaye, en fait, des nouvelles strates. Voilà. Nouvelle strat, aïe. Nouvelle strat, ok. Hein, nouvelle strat. Ok, ok. Oh, oh, oh. Et vas-y, d'où... Aïe. D'où tu fais ça, toi? Ouais, je vais peut-être mourir avant de... Et il a tout calé. Je suis en train de me faire défoncer, me faire bolosse. Ah, cette grande pause n'a pas été profitable, hein. Comme vous pouvez le voir. On va dire que je galère peut-être un peu. Ok, ce bouclier... Oh putain, ça a pris toute ma stamina. Let's go, baby!
c'est bon. Ça fait combien de temps qu'il est de retour? Ça fait seulement 2 minutes. Même pas. Même pas une minute que je suis de retour, les gens. Je suis parti depuis le début de la coupure. Je suis pas parti. Dongo, elle est restée sur le live. Elle, oui, elle est restée sur le live pendant tout le temps, quoi. Franchement, c'est de la... Comment dire? C'est de la... détermination, quoi. Ou je m'y connais pas. Tu es déterminé, hein. Ça se voit. La détermination. Il y a du son, il y a bien du son pour le jeu. Est-ce que tout fonctionne bien, la caméra, tout ça? Hein? Ouais, re. Re tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours sur Elden Ring. On va quand même essayer de... On va quand même essayer de faire quelque chose, tu vois, je veux dire, pas juste faire deux pas et se déconnecter, hein. Ça c'est pas. Voilà. Et je vais vous montrer en fait que cette fois-ci, je vais y aller genre un petit peu à fond, quoi. Je vais y aller un petit peu en mode de... Eh, je suis déter. Je suis déterminé à tous les écraser. Mes ennemis devant moi, vous allez tous clamser. Tu as beau faire 10 pieds, je vais faire qu'à ma tête. Je vais tourner derrière ton dos et vraiment t'écraser. Devenir Elden Ring, c'est mon destin. J'y crois et je réussirai. La victoire s'offre à moi. Mon destin ne me frappera pas. Un jour je serai champion, j'en ai la conviction. Il m'a affligé saignant. Et je vais peut-être mourir. Est-ce que Jerry vient tuer le bébête avec sa puissance extraordinaire? Yay! Salut Gabana! Salut. Bienvenue tout le monde. Re-bienvenue. Ah bah c'est sûr, hein, 2h30 de pause, ça casse un live, hein. Mais on se remet un petit peu dans le bain, n'est-ce pas? On se remet un petit peu dans le bain. Et vous savez, hein, couple de geeks sans électricité, on était en PLS, Sakaro et moi. On était en mode, oh, comment on va faire? Oh mon dieu, il faut ouvrir un livre, des trucs comme ça. Mais vous pouvez pas, hein. Vous pouvez pas. En plus, j'en ai plein à lire, en plus, c'est dingue. Caro, elle a eu le courage, en fait, d'ouvrir un petit recueil sur Batman. Moi j'étais là en mode, je vais juste être sur TikTok. Moi j'ai fait vraiment mon sale geek, quoi. Ah ouais. Je ne sais pas jouer. J'ai presque 20 000 âmes par contre, ça c'est cool. C'est quoi ce combo là? Pourquoi t'as eu la coupure? Mais qu'est-ce que j'en sais moi, Zombilu? J'en sais moi, il me coupe l'électricité, ben j'en sais rien. Salut roi pirate! C'est trop drôle, je suis au même endroit exactement là. Ah! En vrai, t'es exactement là. Je sais même pas ce qu'il y a là-haut en vrai, pour te dire, j'y vais parce que j'ai vu qu'il y avait un bâtiment et je voulais voir ce qu'il y avait là-haut. Mais en soi, je suis en train de me casser la tête comme ça, je sais pas pourquoi en fait. C'est ça qui est beau finalement avec Elden Ring. C'est que tu peux aller dans des endroits qui te servent à rien et ça peut te faire chier quand même. Il se passe quoi avec une coupure de courant? Genre... T'es sérieux là? Genre... Vraiment. Réellement, t'es sérieux avec ta question? Oh fuck. Et il se passe quoi quand on enlève l'électricité en fait, Michel? Non mais je veux dire, je vais être condescendant. Et dans le mot condescendant, il y a le mot con, hein. Mais réellement, il se passe quoi lorsqu'on t'enlève l'électricité? Quand on te coupe l'électricité? Genre, je veux que tu répondes à ta question tout seul. J'ai dit à tout le monde en fait, faut pas être en mode éducateur avec les abonnés, ils le prennent mal et tout. Non mais en vrai là, vraiment, il se passe quoi si tu coupes l'électricité? Merci pour ton raid, Hugo Geek. Merci beaucoup.
Attendez les amis, attention, il y a Hugo Geek qui envoie toute sa communauté à l'attaque. Je vous prie s'il vous plaît de passer en mode défense. S'il vous plaît, mettez-vous bien en ligne, un par un, vous tenez la main, rang par deux, et vous accueillez tout le monde. Je tiens à préciser constamment, je le précise constamment, que les cuisses de poulet sont interdites sur cette piste de danse, les amis. Let's go! Mais arrête de me lancer ça à toi! C'est pas sympa! Oh mon dieu! Voilà! Moi ce que j'aime bien, ce que j'aime bien avec le cheval. Oui! Ce que j'aime bien avec le cheval. Alors c'est pas son goût. Hein. Alors ce qui est bien avec le cheval, c'est qu'on peut se soigner en... Aïe! On peut se soigner en volant, en courant. Ça c'est génial, en volant. Du 20 000 âmes, c'est bon, j'arrête. J'ai désinstallé le jeu, c'est fini, je veux plus jouer. On dit tout ce cheval alors que c'est une chèvre. C'est une grosse chèvre alors. C'est une très grosse chèvre. Putain, j'ai perdu 20 000 âmes avec vos conneries là. Ça c'est ta faute ça, Ganesh. Et Dwight et Angel. C'est votre faute à tous les deux. Je veux rien savoir. Oh là 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 là. Je vous jure. N'empêche que quand j'ai lancé mon live tout à l'heure, on était à 150. Là, maintenant, on est à 50. On a perdu 100 personnes avec cette connerie de live coupée. C'est pour ça, en fait, en général, moi, quand il y a une coupure comme ça, je préfère ne pas reprendre les lives. Je suis en mode, c'est bon, plus personne ne m'aime. Ils sont tous partis ailleurs faire autre chose. C'est ce que disent tous les streamers lorsqu'il n'y a plus personne sur leur live. Ils sont toujours en crise existentielle, tu sais. En mode, ah, où est passé tout le monde? Ça mérite un unfollow? Attends, tu me fais tuer et c'est toi qui unfollow? C'est quoi cette histoire encore là-haut? Je jure. Je te comprends, Céros. Mais ouais! Non mais on était bien, on était parti sur un bon live. Il y avait une bonne ambiance. Tout le monde était gentil. Et là, boum! Genre, électricité power, quoi. Enfin, pour le coup, pas de power pour exister, mais bon, t'as compris quoi. Alors du coup, je vais monter ici, et maintenant je m'en fous parce que tout le monde est mort. Enfin, j'ai perdu toutes mes âmes, je veux dire. Donc je vais juste continuer ici, sans regarder ailleurs. Salut Dame Zombie. Bienvenue. Bienvenue sur le live de la déchéance. Le live de la déchéance dans lequel je suis coincé dans un arbre. Il y a des gentils méduses ici. Jerry! Ah! Mon dieu, c'est quoi lui? Pourquoi il brille comme ça? On va voir si je peux le tuer. Attends, est-ce qu'il n'y a pas un... Non, faut que je trouve s'il n'y a pas un truc pour ce reste dans les parages, tu vois. J'ai pas l'impression... Parce que j'aimerais bien le tuer, mais juste parce qu'il brille, vous savez. C'est salaud, hein, mais... En général, les ennemis qui brillent donnent plus d'âme ou quelque chose du genre. J'en suis venu à cette conclusion. Fais gaffe au troll. Tu l'as pas fini? Fini quoi? Ce jeu, Elden Ring? Bah bro, est-ce que tu m'as vu jouer à ce jeu tous les jours? Vous jouez en fait sans live dans votre coin jusqu'à 4h du matin, hein, machin. Moi, je suis obligé de live à chaque fois dessus. Je joue seulement 4 heures par live. Vous êtes sérieux? Ow! Ow, il devient invisible! Non, ils ont pas le droit! À bientôt. Merci, merci encore. Oh, merci pour tout. Très bientôt. Oh boy. On va se cacher là. On va manger les trucs. Merci à toi Kirito pour les 100 bits. Je finissais pas à 4h. Eh, tu finissais pas à 4h, mais dis-moi que j'ai tort. Dis-moi que t'as pas bouffé du Elden Ring pendant plusieurs semaines d'affilée, tous les jours. Je joue pas tous les jours en fait. Je joue genre... Bah à chaque fois que tu me vois en live sur Elden Ring, c'est le moment où je joue. Je joue pas hors live en fait. Toute mon aventure est entièrement enregistrée. C'est pour ça en fait que moi, vu que j'ai pas fait que ça. J'ai fini Dying Light, j'ai fini Resident Evil Révélation 1 et 2.
Tu vois, j'ai joué à plein d'autres jeux. Genre, on a même fait du Hunt Showdown l'autre jour. T'as joué une semaine, mais tous les jours. Salut Evan. Viens ici, toi. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui voient pas la différence. Mais effectivement, en fait, à chaque fois que je fais un jeu, ils sont en mode, moi j'ai fini en un après-midi, je comprends pas. Oui, t'as fini en un après-midi parce que t'as joué de midi jusqu'à 18h sans t'arrêter. Moi, je peux faire un jeu qui dure 4h, je peux faire 4 lives. Hein. Et on a fait du Sifu, c'est vrai. Tu t'es remis de Devor? Non. J'ai pas bien cher. J'ai pas bien cher. Allez, ta petite clé. Qu'est-ce qu'il dit? Terre croulante. Bon, allez. Ça peut pas être bien dangereux. Ah. Là, je suis en New Game plus 8. Ça m'a pris 400 heures. Je voulais toutes les fins. Là, j'y touche plus pour le moment. Ok. Où est-ce que je suis? What the fuck? Il y a une méga tornade. Où est-ce que je suis? Oh, ok, d'accord. Il y a en fait encore du... Waouh, mais ce jeu, les gars. OMG, ce jeu, les gars. Genre, juste les tornades géantes et les espèces de bestioles dans le ciel et tout, ça donne une ambiance. C'est insane. Le silence aussi global, là. Oh mon dieu. Faut que je trouve un site de grâce, je vais pouvoir me re-téléporter ici, tu vois. Oh là là. C'est insane. Je suis choqué en fait. Ah, il y a des bestioles. On va voir si on arrive à les tuer. Attends, est-ce que je peux sauter là? C'est un peu haut, non? Au pire, si je meurs, je meurs. Allez. Ça va, ça va. Bonjour! Oh mon dieu! Je veux pas être ici! Il y a des trucs qui te gênent dans ce Elden Ring? Dis-moi tout, Dame Zombie. Parce que moi, personnellement, je trouve 100 fois mieux que Dark Souls. Mais genre, littéralement. J'ai bien aimé, en fait, Dark Souls 1 et 3. Mais Elden Ring, je m'amuse beaucoup plus, hein. Clairement. Je meurs, hein. Mais ouais. Par contre, bon, ça sert à rien que j'y aille. Parce que, techniquement, comme vous avez pu le voir, je fais aucun dégât avec mon katana plus 10. Alors Dark Souls 2, je peux pas dire que j'ai aimé parce que j'ai j'y ai joué un tout petit peu, mais hors live en plus, donc du coup j'ai pas essayé de le finir. Je peux pas dire que j'aime le jeu ou pas, j'ai fait que le début. Mais quand je vais y retourner certainement un jour. Mais après avoir joué à Elden Ring, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué parce que j'adore sauter, j'adore le cheval, j'adore les mouvements, c'est réactif, tu vois. Le contre dans Elden Ring est juste génial. Genre, le contre dans Elden Ring, je me suis tellement entraîné à faire du contre sur Dark Souls 3 que dans Elden Ring, ça fait plaisir. Quand tu fais un contre, bah ça sort, quoi. C'est... Pourquoi j'aime Elden Ring? Parce que plein de trucs qui se passaient très mal sur Dark Souls marchent très bien ici, en fait. Et puis, il y a aussi le système du « je suis bloqué à un endroit », et bah c'est pas grave, tu peux quand même jouer, tu peux quand même aller ailleurs, va ailleurs et va découvrir ailleurs. T'es pas obligé, on va dire, de continuer le chemin. T'es pas bloqué à cette porte, t'es pas bloqué à cet ennemi, tu vois. Et ça c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Alors tiens, je vais descendre par là pour voir, parce que j'étais monté tout à l'heure. Je sais pas s'il y a quelque chose, il y a un chemin en tout cas. Peut-être qu'il y a un site de grâce en bas. Alors, normalement, j'ai aucune console, ni rien à acheter. Ah, il y a un site de grâce, purée. Allez, on peut se mettre là. Allez, on s'assoit, on s'assoit. Ça me permettra de résister. Je me disais bien que c'était pas normal que tu avais live si peu. Je viens de voir que tu avais une coupure d'électricité sur Twitter. Ouais, c'est horrible. Je peux dire que c'était horrible.
qui a duré trop longtemps. Coucou à toi, Catwin. J'ai aucune console, j'ai acheté PS4 Union pour jouer à Elden Ring, c'est chaud, surtout que je vais devoir économiser beaucoup, même s'il y a d'autres jeux, mais bon. En soi, ça dépend en fait. Tu peux trouver une PlayStation 4 pas chère, hein, en soi. Il y a, si tu vas sur les trucs Le Bon Coin, etc., tu peux en trouver pour moins de 100 euros. Justement, le monde ouvert, le fait que ça soit autant porté magie invocation, le multi est juste aberrant. J'ai dû envahir des joueurs pour une quête PNJ, je me retrouve contre 3 mecs à chaque fois. Auprès d'un côté, je trouve ça cool pour les gens qui galèrent, etc. Mais moi, ça a juste pas fait kiffer des masses. Puis d'autres petits trucs, mais la liste est longue. Franchement, en fait, de la liste que tu me donnes, moi, ça me gêne pas du tout. Genre, que le jeu soit porté sur magie invocation, bah cool. En vrai, bah joue magie invocation. Après, à moins que t'aimes vraiment pas ça. Donc, du coup, ouais, je comprends. Après, je t'avouerai que, effectivement, j'ai un personnage build dextérité. Et toutes les armes que je trouve, littéralement toutes les armes que je trouve, c'est des armes intelligence x. Et je suis là en mode. Mais j'ai des armes, mais elles me servent pas, tu vois. Genre, elles sont toutes, quasiment toutes, intelligence x. Je suis bon, bah d'accord, bon, avant c'était dextérité, ça a changé, c'est normal, d'un jeu à l'autre ça change, tu vois. Mais c'est comme si tu me disais que t'aimes pas Sekiro parce que c'est un ninja, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est pas Dark Souls, c'est Elden Ring, tu vois. C'est normal que le jeu, finalement, il soit différent. Après, c'est cool pour les gens qui aiment ou galèrent, j'ai joué dexté aussi. Cimetière en bi. Cimetière en bi. Je comprends pas. Je comprends pas ta phrase. Le fait de pouvoir combattre à cheval, c'est juste abusé. Bah non, je trouve ça génial. Il faut des différences parce que sinon, autant jouer. Pour être honnête avec toi, en fait, Dame Zombie, si c'est pour réavoir du Dark Souls 3, autant jouer à Dark Souls 3. Tu vois ce que je veux dire? Non, finalement, c'était bien en fait qu'il change parce que la méta sur. Finalement, la méta sur Dark Souls 3, c'était. La méta sur Dark Souls 3, c'était de jouer dextérité. La méta sur Dark Souls 1, c'était de jouer pyro. Tu vois, c'est toujours, t'as toujours une classe qui abusait comme ça sur les jeux. Ça a toujours été comme ça, tu vois. Donc du coup, le fait qu'ils ont remis en avant un peu la magie, etc., c'est pas plus mal. Et surtout, ça aide énormément, en fait, bah, du coup, les nouveaux joueurs aussi. Parce que, genre, t'as des gens qui ont pu finir du Elden Ring parce qu'ils ont joué full magie, et en magie, t'es ultra pété. Si tu joues, en fait, en gros, si tu joues dextérité, tu joues en mode difficile. Y a pas de difficulté dans le jeu. Mais il faut, moi je le prends comme ça. Après, chacun son opinion sur le sujet. T'étais plus fan que moi des Souls. Moi je parle en tant que mec qui vient de découvrir les Souls en soi. Hein. Personnellement, après moi personnellement je m'en bats un peu les couilles de certaines fonctionnalités du jeu. Je suis en mode ok, il bah, y a ça, tant pis. Je suis juste déçu que quand je trouve une arme, je peux pas l'utiliser. Mais en soi, moi j'adore le cheval, j'adore le explorer l'open world. Là franchement, je kiffe. Genre un kiff que j'avais pas retrouvé depuis Zelda. Zelda Breath of the Wild était vraiment incroyable pour moi, tu vois. Et du coup, ce Elden Ring, au-delà de la difficulté du jeu, il me propose exactement la même sensation. Pas exactement la même expérience, mais la même sensation. Genre, quand je joue à Elden Ring, j'ai ce petit côté en mode, je suis dans un monde qui a vécu avant moi. Il y a des choses qui se passent, il y a des secrets dans tous les sens. J'ai découvert sur TikTok récemment qu'il y avait des chemins invisibles dans le jeu. Genre tu peux aller littéralement sur des portes et marcher dans le vide, etc. Je trouve ça incroyable. Donc voilà, tu vois, c'est le genre de choses qui me font kiffer ce jeu plus qu'un Dark Souls. Dark Souls 3, il est cool. Dark Souls 3, il est cool. Et Elden Ring est épique. À mon sens. Oui, rien ne t'oblige à jouer. En fait, tu joues exactement comme tu veux. Si tu te sens obligé de jouer d'une certaine façon, c'est que, ben, de base, en fait, c'était pas pour toi ce gameplay-là, en vrai. Parce que j'ai vu des vidéos de mecs qui défoncent en full build force et ils s'en battent les couilles en fait des ennemis. Et ils sont en mode, ils défoncent tout, tu vois. T'as juste ignoré. Bah oui, c'est la meilleure chose à faire. C'est la meilleure chose à faire en fait. C'est ça qui est bien avec ce genre de jeu. C'est ça qui est bien avec ce genre de jeu, c'est que tu peux... Bah tu peux faire un peu... T'es libre en vrai. Oh fuck, pourquoi mettre des géants, mais qui fait ça? Qui fait ça? Qui met des géants invisibles dans un jeu? Oh boy. Qui met des géants invisibles dans un jeu, sérieusement? Le jeu est pas si difficile comme ça, hein. Faut que tu mettes des gros ennemis gigantesques invisibles. Ils sont fous. Les mecs sont fous, je vous dis. Sont tarés. C'est des trolls, c'est pas des géants. Est-ce que c'est écrit leur nom? Ah! Est-ce que c'est écrit leur nom au-dessus de leur tête? Non! Alors, pour moi, c'est un géant. Oh fuck!
Cet endroit est génial en vrai. Ah, j'en ai pas, forcément. Prépice de l'anticipation. C'est génial. Il y en a partout. En fait, ici, c'est un endroit où tu peux te téléporter à d'autres endroits. C'est un endroit important, on va dire, plutôt. Je vais... Est-ce que je peux? Je vais me cacher. Je vais me cacher. Voilà. Faut que je mette sur la carte. Ici, là, les 4 beffrois. Ah, attendez, j'avais pas entendu parler de ça à un moment donné dans le jeu. Les 4 beffrois, je vais mettre ici... porte. Voilà. Je vais mettre porte ici, comme ça je sais. Je sais que c'est un endroit important, tu vois. Je reviendrai. Parce que du coup, c'est ici, faut pas que j'oublie, mais c'est ici qu'il y a eu... que je suis allé dans un environnement avec des tornades géantes et tout. Déjà, de base, le jeu est beau, alors là, franchement, c'était pas mal du tout. Il y a un mec qui a réussi à finir Elden Ring sans faire un seul combat. Bah, c'est un run pacifique, on va appeler ça. Hein. Je suis toujours admiratif, en fait, des gens qui arrivent à faire ce genre de choses. Surtout sur un jeu... Bah, en fait, c'est ça qui est bien avec ce jeu, c'est que... Il est tellement libre que tu peux justement finir le jeu sans tuer personne. C'est beau. Oh. Bah j'ai eu... Bah c'est trop bien. Ah bah je peux même me téléporter directement. Parfait. Pour tracer jusqu'à la fin du jeu, tu as 12 boss obligatoires. Ça fait en 2h, voire en 2h30. Ouais, j'ai littéralement pris... 5 heures sur un seul boss, j'ai envie de te dire, je suis pas totalement d'accord avec ce que tu proposes. Je suis pas totalement d'accord avec ce que tu proposes. Mais bon, écoute, si tu fais partie de ces gens-là qui arrivent à finir un jeu aussi difficile en 2 heures, ok, let's go. Mais moi, je suis pas totalement d'accord. Ciel nocturne incessant. Ah non, j'ai pas envie d'en dire qu'il fait nuit tout le temps ici, je vais pas venir ici. Je vais ouvrir ce passage là-bas plutôt. Je l'ai fait, ça se fait vite. Avec quête. Oui, bah tant mieux pour toi. Moi je peux... Moi, dans ma façon de jouer, non, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas, pas comme ça. Bon, en vrai, c'est vrai qu'un jeu de ce style, t'as pas envie de le finir en 2 heures. Sauf si tu l'as fini déjà plusieurs fois. Alors là, oui, tu peux... En fait, quand tu l'as... Le speedrun, ça se fait quand t'as déjà tout torché le jeu. On va appeler ça un... Comment on appelle ça encore? Un... Ah! All around. Me a familiar faces, worn out faces, worn out faces. En New Game Plus, en traçant, tu peux finir vraiment vite. NG0, par contre, faut vraiment speedrun pour finir le jeu en 2-3 heures. Je parle sans glitch. Hein. D'accord. Pour les autres fins, je vais juste à tracer les objectifs. Et bonsoir, salut Majora. Ma première run m'a pris 72 heures à 70 heures à elle seule. C'était long. Merde. J'ai tout cassé. J'ai cassé le jeu. C'est bon. C'est plus cassé. Bon, j'ai 41 heures sur Elden Ring actuellement. Je pense qu'à ma vitesse, j'y serai pas avant, avant plus de 100 heures, je pense. Hein. Clairement. Clairement, impossible pour moi, en fait, je pense, de terminer 70 heures le jeu. Le petit Aaron a tué Margit après... Il a quel âge, en fait? 50 essais. 5... Ah oui, mais quand même, il a réussi à tuer Margit. Putain, t'as envie de te dire, mais attends, si lui, il arrive... Il a 7 ans. Ah bon, j'ai pas pris 50 essais pour Margit, mais mec, 7 ans et il tue Margit, s'il te plaît. Je suis choqué. Je suis choqué. Il était en sueur, mais j'imagine que quand il a gagné, il devait être... Oh, fou. Il devait être fou.
Il a déjà testé des Souls. Ouais, mais en même temps, son papa, il fait des speedruns. Ah si, c'est son papa, en fait, en tout cas. Je sais pas, j'ai supposé, mais je veux pas causer de malaise. Merde, je sais pas, en fait. God damn it. C'est tout comme. Ok, très bien. Bah dis donc, ce chemin était... Comment dire... Assez étonnant. Je m'attendais pas à ce que ça se pète d'un coup comme ça. Il y a déjà un boss là-bas en vrai. Est-ce que vous pensez qu'ils sont capables de faire péter le pont aussi? Non, ils ont été gentils pour le coup. Non mais attends, ils vont pas me faire un truc qui pète à tout instant, si? Moi j'aime bien visiter, moi. Mais de là à ce que tout pète sous mes pieds, ça me va pas. Bon, direct un boss. Je crois que je fais pas assez de dégâts pour lui, de toute façon, c'est pas une zone pour moi, tu vois. Oh, c'est lui! Oh! Oh, toi! Oh, toi! Oh, toi, la vengeance sera terrible. Wow! Bon, la vengeance n'a pas été terrible du tout. Je l'ai même pas touché. D'ailleurs, c'est acté. Nous ne faisons plus qu'un aux yeux de la Sainte-Loi. Vous êtes paxé, c'est bon? C'est parfait, ça. Il fait mal. Ouais, alors, je veux juste voir... En fait, moi, si... Pour savoir si je peux battre un boss ou pas, il faut que je lui assène au moins un coup, tu vois. Si, en lui assénant un coup, le boss, il perd pas mal de vie, je suis là en mode, ok, je peux le faire. Si il perd pas de vie, je suis... Ah, bon. J'ai voulu clipper, j'ai oublié de copier le lien envoyé sur Discord. Boulet, ouais. J'ai mis 30 essais pour me le faire en vengeance, celui-là. Hein. Ouais, c'est la vengeance, parce qu'il m'a tué au tout début du jeu, ok. Salut Royal Blood, YouTube, j'espère que tu vas bien. Alors, il était horrible. En fait, déjà, dès le début du jeu, on te le balance à la gueule comme ça, alors que tu es débutant. C'était déjà pas super génial, tu vois. On verra. On va voir. On va voir si... Je peux le faire. Ok, je peux le faire. Je peux le faire si je... Oh mon dieu. Si je prends pas tous les coups à chaque fois. Il est en contre. Il est en contre, les amis. Il est en contre. Il marche sur les mains, là. Il marche sur les mains, il est pas content. Là, il... Il fait une attaque de rapière. C'est un enfoiré. Il a pas fait une attaque magique. Prépare-toi, Seroch. Oh non, tu t'es pas préparé. La vengeance. Ne tombe pas dans le vide, Seroch. Fuck. Wow. Wow. Je peux le faire, mais faut pas que je roule comme ça longtemps. Je vais squatter ton stream, j'ai la Covid. Ah. Il fait la toupie. Ouais, bah j'ai vu. Je ne suis pas aveugle, Chris. Je me suis pris la toupie dans la gueule. Et on fait rouler le Seroch. L'abus de roulade est dangereuse pour la santé. Ah, bordel. J'adore les roulades. J'adore les roulades. Essaye les attaques sautées. C'est vrai que j'en fais pas suffisamment. C'est vrai que j'en fais pas suffisamment. Genre, je sais très bien les valeurs en fait des attaques sautées. Mais je suis, comment vous dire, addict aux attaques chargées. Ok. Je devrais pas. Mais les attaques chargées, kiss chef. Ok. Pétition. J'ai raté mon attaque sautée. Oh, 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 oh. Bon, si je peux crier. Je vais boire un peu de potion pour éviter qu'il me one-shot.
pas. Bon, j'ai pris trop de temps à dégainer. Attention. Ok, attends. J'ai dit faire attention, mais j'ai pas fait attention. J'ai l'impression que je... Oh. Je suis moins... Ow. Attendez. Attendez, attendez. Là, c'est le moment de la vengeance. Hop. Hop. Ah. Ah. Oh mon dieu. Roule. Roule. Bois. Ok, vas-y. Viens, 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 viens. Ok, là, t'as pas aimé. Let's go. La vengeance aura été terrible. La vengeance. J'ai eu l'épée droite ornementale et un bouclier bestial doré. Je suis tellement fatigué, j'ai failli demander de quoi elle parlait. Elle savait même pas. Salut Mansi, ça va? Attends une ouverture pour lui mettre des dégâts. Merde. Je l'ai tué avant. Comment on fait? Ennemi mineur pour noob vaincu. Hey. Non. Du coup, il n'y a que ça à faire ici? Oh! Oh, c'est ici, c'est ça! Oh, on spawn ici! On est né ici! C'est notre maison! Je savais pas! Je savais pas que c'était là en fait! Je me disais, ouais, je suis jamais venu là, mais en fait, si! Oh, il y a quelque chose d'autre à voir ici? Bon, je sais pas ce que j'ai à voir ici, moi! Ah, si, 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 il y a quelque chose, les gens! Attendez! Peut-être pas, hein. Je suis peut-être emballé, les gars, attention. Peut-être que je me suis emballé, hein. Alors. Non, je me suis emballé, non. Je suis né ici, il y avait rien ici. Je suis né ici. Ah, y'a me tarniche! J'espère que tous les rhinos vont être d'ailleurs bien, ça fait un moment. Ouais, j'avoue. J'avoue, tu passes plus aux soirées, Mansi, qu'est-ce qui se passe? Tu nous aimes plus? Il y a un objet là. J'aurais pu récupérer ça au début, non? Roi des faucons des tempêtes. Roi des faucons des tempêtes. C'est une cendre que j'ai récupérée? Oh, on verra bien. Moi, je suis reviendu ici pour voir s'il y avait des... Il y a un coffre. Oh, Def, le faucon des tempêtes. Oh, je peux avoir un petit oiseau. Je peux avoir Icaros avec moi. Let's go! Je vais me prendre pour Assassin's Creed, c'est bon. Il faut lire mon précédent message. Je vais très bien! Une super semaine au taf, même si c'est crevant. D'ailleurs, t'as repris le taf, Monsignor? Je suis désolé si je suis vraiment pas au courant et que je suis vraiment une brêle. Je suis comme ça, voilà, c'est moi. C'est pour ça que vous m'aimez. Hein. T'as repris du travail, du coup? Tu es libre d'en parler ou tu sais un secret? Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que t'as trouvé. Du coup, GG. Merci. Tu peux y accéder seulement par le portail. Alors, je vois un truc là-haut, moi, non? Où j'ai halluciné. Ouais, j'ai peut-être halluciné. J'ai cru voir un... J'ai cru voir genre un objet, tu sais. Oui, un contrat de remplacement comme assistante logistique dans une clinique. C'est parfait, ça, en plus. Tu aimes bien ça, toi. Tu aimes bien travailler dans le médical. Parfait, ça. Bah, écoute, bah, félicitations. Je suis content pour toi. Alors maintenant, ça veut dire que je peux me barrer? Je peux me tirer d'ici? Ok. Bon, on va refaire, on va retracer notre chemin, les amis, pour essayer de voir ce qu'on a raté ou pas, tu vois. Je sais que... Ah, vous savez quoi? On va retourner au bastion. On va retourner au bastion. C'est trop cool, et le vendredi, la clinique offre à son personnel soignant les massages. Oh! Massage gratuit! Miam, 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 miam. En vrai, c'est cool. On dirait un papa des fois avec les gens, c'est trop mignon. Un papa? Pourquoi tu dis ça? Ah, arrête de me parler, arrête de me parler, arrête, arrête. Renforcer. Je peux renforcer que ça. Attends, pour ça il faut quoi? Il me faut 4 pierres de forge qui niveau 4. Et ici j'ai besoin... Bon, je peux renforcer mon épée de feu. Parce que pourquoi pas? Deux fois. Ok, maintenant j'ai besoin de pierres de forge niveau 3, j'en ai qu'une seule. Du coup, là, j'ai une épée de large de feu de niveau 7.
Je peux potentiellement utiliser d'autres armes à un moment donné, mais bon, écoutez, hein, voilà. J'aime bien en fait mon truc d'Uchigatana, c'est pour ça que je change pas. Les gens ils sont fous à chaque fois dans le chat en mode mais putain Seroth, mais t'es sérieux, tu peux l'utiliser pour autre chose. Et moi je suis en mode non mais tu sais voilà, moi j'ai préféré ça comme ça. Mais il est où mon oiseau? Ah il est là mon... Ouais il est là. Cendre de noble errant. Pourquoi? Attends, c'est quoi la différence entre ici et là? Ah et parce qu'il est déjà plus 1. Je sais pas. Alors on peut l'améliorer. Ok. On va l'équiper surtout. On va équiper. Ça se trouve il est bien hein, les gars. C'est un oiseau. En plus c'était difficile à récupérer donc techniquement il doit être bien. Là. Et ensuite je vais aller voir aussi au niveau des... de l'inventaire. L'utilisation. Bon, ça c'est les cendres de guerre. Très bien. Les muguets fantomatiques, très bien. Attendez, c'était ici? C'est là. Les cendres d'un faucon qui ne répond à aucune invocation. Le roi des faucons des tempêtes. C'est un objet de quête? Il faut peut-être le donner à quelqu'un en soi. Censé trembler à proximité d'une... Ok, d'accord. Bon. Ça, c'est fait. J'ai pas vu combien d'âmes j'avais. Je sais pas. J'en ai 1000. C'est pas suffisant pour faire quoi que ce soit. Donc du coup, maintenant les gars, on va se refaire. On va aller quand même voir si la sorcière peut nous vendre une clé pas chère, tu vois. À la limite, peut-être que c'est possible. Je sais même pas ce que c'est, alors je pense pas. Yo, Nightshare, j'ai l'impression que tu peux utiliser l'épée que tu as récupérée. Mais elle est pas ouf. C'est une épée qui perce. Et elle fait 128 de dégâts seulement. Faut l'améliorer certes, mais bon. Elle est pas ouf. Hein. Madame! Offrir une perle cinéaire. Enfin, vous n'avez aucune perle cinéaire. Achetez du coup. Nam 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 nam. Ça coûte 4000, donc du coup non. Bon, on va partir d'ici. Kaelid, c'est banni de notre vocabulaire, ok? On va pas en Kaelid. C'est fini la Kaelid pour nous. Là, c'est le puits de la Siofra. C'est vrai que j'étais parti dans le sous-sol. J'ai récupéré plein de choses en dessous. J'ai rien marqué de ce côté-là. Probablement qu'est-ce qu'il y avait à rien. Cependant, je crois que je vais devoir revenir ici. On va aller chasser. On va aller chasser les tortues. Ah oui, c'est Ganesh qui arrête pas de dire à chaque fois. Fait grand. Hey, c'était l'anniversaire! Estrée, tu vois, elle m'a dit direct, elle fait ouais, Ganesh il est parti dire à tout le monde c'était son anniversaire. Les chiens, ce sont des chiens! Pas des chiens, toi, ce sont des loups! Moi, j'appelle ça des loups! Regarde. Aïe. Rapide le loup. Hein. Putain, c'est... Oh mon dieu! Ok, d'accord, à l'ancienne. Je voulais faire plaisir en utilisant ce truc-là, mais c'est en train de me tuer. Je veux plaisir parce que les gens me disent « C'est Ross, tu utilises jamais le contre-bouclier, naninaninia. » Je suis « Ok, attends, je vais essayer d'utiliser. » Mais en fait, c'est pas pour moi. Hein. Le timing est vraiment pas ouf pour moi. Pas des chiens ça, c'est des loups. Bah oui, tu l'as écrit en majuscule, c'est interdit d'abord, nice item. Tu vas te faire ban par Valou, si elle était là. Bon, chercher 3 bits érudites. Hein. Donc on va chercher les 3 bêtes érudites. La dernière fois, en fait... Ah, je te vois, bête érudite. T'as cru que tu pouvais te cacher comme ça dans les buissons? Donc j'en ai une. Plus que deux. Plus que deux. Bah t'es ruidite. Ton temps s'est rassé là. Bah t'es ruidite.
Montre ton boule. J'adore en fait qu'il y a des crânes de squelettes avec des runes comme ça qui traînent un peu partout. T'es en mode de la thune, il y en a partout, donnez. Oh merde. Non, mon argent. Ah, tu parlais des tortues. D'accord. Non, c'est pas qu'elles sont confondues. Ah, attends, elles sont confondues? Non, c'est juste qu'il y avait une blague où t'as un mec sur Elden Ring qui avait une tortue devant lui, il a écrit en gros Dog. Donc t'as tout le monde qui a rigolé et qui a foutu ça, qui était genre en mode, ouais, c'est un nouveau mime, tu vois. Mais je pense pas qu'ils confondent pour de vrai, je crois que c'est juste une blague, hein. Rassurez-moi. Ça, c'est un dog. J'espère, en tout cas. Attention de ne pas tomber, Séros. Hein. Ce serait un peu dramatique, hein, si tu veux mon avis. En plus, l'océan a pas l'air d'être de tout repos aujourd'hui. Tu risques forcément de te noyer un petit peu. Je dis ça, en plus, t'as une armure et tout. Enfin, je veux dire, c'est pas ouf, quoi. Et des joueurs comme ça, il vaut mieux pas. Voilà. Est-ce que vous voyez une bête érudite, les gars? Parce que là, moi, j'en vois pas. J'en sais les voir facilement, parce que si elles sont cachées comme la première, ouais, il faudra bien regarder. Je sais pas si elles font un bruit particulier ou pas. Alors je fais une attaque de masse, je balance un météore de Pégase comme ça. Je sais pas à quelle distance aussi elle peut se trouver, tu vois. Genre, est-ce que si je m'éloigne et que je vais jusqu'à là-bas, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Il y a un site de grâce, je pense pas, tu vois, c'est un peu loin quand même. C'est Tortue Ninja, ouais. Ouais, je valide totalement ce que tu viens de dire. C'est la première... Parce que la première fois que j'ai fait ce jeu, quand il y avait la tortue quelque part... Wow, 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 wow! Je suis choqué. Je suis choqué. Je suis trop fier de ma meuf, elle a fini Elden Ring environ 30 heures en mourant à peine 6 ou 7 fois. Une vraie warrior. Je fais comme les titres YouTube clichés, ça me fait rire. Je suis pas normal comme gars. Attends, c'est faux ce que tu viens de dire? Du coup? J'ai commencé le live à midi, mais il y a une coupure de courant de 2h30. Il manque 2h30 à mon live. Littéralement. Elles sont invisibles. Oh bah là, pour le coup, oui. C'était le cas, ouais. C'est la décadence, la colère de Dieu va s'abattre sur la France. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la France mérite une décadence? Est-ce que c'est à cause de la Pixel War, auquel je n'ai pas participé, parce que je ne comprenais pas la hype? Et après, il y a tout le monde qui m'a critiqué parce que j'ai pas participé. Je suis en mode, mais les gars, c'est pas de ma faute. Je savais même pas, je pensais que c'était juste un truc de dessin. Apparemment, c'était plus que ça. Ah, ta bête. Je vous jure. Eh, hey, attends, je peux battre ce gars-là maintenant. On va aller le battre. On va aller le battre. Normalement, on peut le battre, lui, maintenant. On a battu une version plus difficile de lui, l'autre jour. Et vous savez quoi? On va appeler notre oiseau. Attaque Icaros, montre... Oh, putain, t'es un énorme oiseau, toi. Ah, j'ai one-shot, presque. C'est beau, ça. Je one shot, ouais. Alors du coup, on sait pas trop ce qui s'est passé ici.
Il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose au niveau de l'environnement qui essaie de nous dire quelque chose, tu vois. Du style, les mecs ici, ils ont invoqué cette créature. Et ça doit avoir un rapport avec les trous qu'il y a partout, tu vois. Dan, le faucon des tempêtes. Il a l'air d'être... Il va peut-être bien m'aider, lui, contre la chimère léonique, hein. Parce que c'est mon plus gros problème actuellement, cette chimère léonique. C'est Rust, le maudit. T'as plus d'endurance que de vie, MDR. Ouais. Normal, parce que je... J'ai pas besoin de vie si je me fais pas toucher. Bon, ça, c'était avant que je me fasse toucher, mais je veux dire... en début de game, c'était une bonne idée. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Il y a une libellule. Attends, c'est un cimetière de géants ici ou c'est comment? En deux, des pierres tombales mais gigantesques. Même les moustiques sont gros, tu vois. Hé, toi, t'es un gros moustique. Allez voir le moustique. Alors c'est une libellule, c'est pas un moustique, c'est Ross. Ok, c'était écrit. Il y a un trou. Il y a un trou. Les gars, il y a un trou. Regardez. Il y a une porte. Une porte. Oui, je peux l'ouvrir en plus. Il faut savoir courir dans ce jeu. Il faut aussi pouvoir rouler. C'est important. Rouler, courir, tout ça, tout ça. Cool, une petite catacombe. On l'a jamais faite. Et elle est dans la zone où... elle est dans une zone bas level pour moi. Donc du coup, c'est cool. Monter de niveau, est-ce que je peux? Non, il m'en faut 16 000. Je pouvais monter de niveau tout à l'heure, hein. J'ai tout perdu parce que j'ai regardé White Angel et Ganesh dans le chat. Je continue de dire c'est leur faute. Ouh, une épée enflammée dans ton cul, tu aimes pas ça, on dirait, hein. Ouais. On va jouer avec l'épée large parce que pour le coup, comme vous pouvez le voir, l'épée large, pour cette zone, est suffisante, je pense. Ok, nickel. J'ai envie de vous dire nickel. Nickel chrome. Regardez-moi cette trace de sang sur le mur. Elle est spéciale. D'accord. En fait, on va là-bas pour activer un mécanisme qui va ouvrir la porte qu'on a croisée à l'entrée. Le problème, c'est qu'apparemment, ici, c'est un endroit rempli de petites créatures qui me rappellent mes personnages préférés de Dark Souls 3. Genre... Ah, on peut pas l'ouvrir. Ok, déçu. Déception. Dans Dark Souls 3, en fait, on a ces genres de petites créatures, c'est des petits lutins. Pire chose ever. Pire chose ever. Ça se désigne des boucs émissaires pour justifier sa mauvaise foi. Non. Non, 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 non. Vous êtes... Ah! What the fuck? Un mur. Non. Je dois aller où, hein? Fuck, je suis dans la merde. Ah! J'y arrive pas. En fait, ce que je voulais faire, c'est que je voulais voir s'il y avait un passage en dessous, tu vois. j'ai mis des mages aux mots-clés comme dans les titres des vidéos YouTube clichés. Ok, quoi, je comprends. C'est un piège. Oui, bah ça, j'ai vu que c'était un piège, Chris. Je l'ai vu, là. Genre, je pense que j'arrivais même pas à retourner à l'arrière. Je suis obligé de mourir. Ok, on peut aller en dessous, mais il n'y a rien en dessous, en fait.
What? Donc c'est pas là qu'il faut aller. En tout cas, je pense pas que c'est là que je dois aller. Il doit y avoir un truc ici que j'ai pas vu. Pas bien compris. Normalement, on pouvait ouvrir ça, non? Il me semble. Non? Bon, ben, on va aller ailleurs. Hein. Il doit y avoir un autre chemin par là, avec le bouton poussoir, quelque part. À un moment donné, ça va être écrit appuyer sur Y pour faire quelque chose, hein, t'inquiète pas. Hein. Je suis persuadé. Hein. Si, c'est en dessous? Ah, tu... Ok, ma vocation est pour... Oh, j'ai pas fait ça. Tiens. Je dois aller quand même dans le... Je dois quand même aller dessous? Merde! Ah, mais moi, je serais retourné, par contre, j'aurais pas essayé. Attention, si je meurs, ça va être votre faute encore. Hein. C'est pas pour rien qu'il y ait un piège. Bah oui, mais bon, tu sais, moi je suis un mec un peu effrayé dans la vie, tu vois. Ah ouais, c'est bien là. Purée. Je m'attendais pas. Hé les gars, comment allez-vous? Je m'appelle Seros. Qu'est-ce que vous faites? Non, 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 tiens pas la tête. Tiens pas la tête, c'est pas grave. C'est pas grave, je vous dis. Oh, il y en a un troisième. Bon. J'ai l'impression qu'ils sont tous un petit peu on fire. Oh mon dieu, c'est infini ça? J'adore l'épée large, hein. Comme vous pouvez le voir, c'était une de mes armes préférées dans Dark Souls 3. Et je suis vraiment content qu'elle soit revenue pour ce Dark Souls, pour ce Elden Ring, je veux dire. Résine de racine. Oh, ça c'est un piège. Parce que regardez, pourquoi ma barre d'endurance est si grande? C'est comme ça que je peux taper à volonté. Tout simplement, les gars. Si ma barre d'endurance n'était pas si grande, je pourrais pas plus enchaîner les combos comme ça aussi longtemps. Donc c'est sûr, je vis moins longtemps, certes, mais je peux taper plus longtemps. C'est juste une question de priorité dans la vie, tu vois. Oh, oh. Je récupère le muguet, je sais pas à quoi il peut me servir, mais si c'est là, c'est pas une raison. Bon allez, on va partir d'ici nous, parce qu'on n'aime pas farmer. Salut tout le monde, coucou Seros, j'espère que ça ne plantera pas encore. Bah c'est vraiment une question d'électricité. Ça a coupé. Salut Estrée, comment tu vas? Eh hey, Estrée, franchement. Franchement, la scène de raid, formidable. Formidable. Je suis What? C'est pas possible. Je suis agréablement surpris. Franchement, c'était incroyable. En plus, t'étais en cosplay, t'as tout donné. Hein. Vraiment, t'as tout donné. Hein. C'est incroyable. Au premier, je suis mort 7-8 fois. Les boss dans ce jeu, c'est une purge. Ah oui, bah, ça, c'est sûr. C'est le problème des boss dans Dark Souls et dans Elden Ring. Dans Elden Ring, par contre, t'as certains boss qui sont plus faciles que d'autres. Et ça, c'est étonnant. T'as des boss en mode... Bah, il était ultra facile. Ok. Ok, il y a plein de petits bébêtes et le gros chat. Je regarde pas le gros chat pour l'instant. Ok, faut que je m'éloigne. Éloigne-toi, ne brûle pas. Wow. Ma résistance est plutôt pas mal en vrai. Veilleur de l'arbre monde. J'espère qu'elle chie pas les petits. Parce que là je me débarrasse des petits avant parce qu'ils me font chier. Ah. Soigne-toi. Casse pas tous les poteaux, y'en a pas beaucoup hein.
joli, hein. Heureusement que j'ai... Oh mon dieu, je vais peut-être mourir en fait avec ces conneries. Aïe. Attention. Mon oiseau! Let's go! Ennemi abattu! Wouh! Cendre de semi-humain. Alors là, par contre, avec toutes les cendres que j'obtiens, ça va être plutôt pas mal, en fait, hein, les prochains boss que je vais avoir. Ah, chimère léonique! Je t'envoie droit dans les yeux. Donc, du coup, on a fait ça juste pour tuer du boss? Ok. S'il meurt sur ce boss, là, c'est un son bora. Car très honnêtement, il est archi facile, celui-là. Bah, il est facile, mais bon, écoute, on peut quand même mourir, hein, c'est possible. Hein. Ah, merci, Seros, trop contente qu'elle plaise, j'ai tout donné. Ouais, franchement, pas mal du tout. Par contre, petite remarque que moi, je ferai, c'est que tu as mis des crédits. Je serai toi, je mettrai les crédits sur la dernière image du truc pour pas avoir un écran noir à la fin. Parce que, en fait, un écran noir, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, bah, pour certaines personnes, ça veut dire au revoir. Et du coup, les gens qui vont voir en fait l'écran noir à la fin avec le crédit, ils vont peut-être s'en aller. Et le but en fait, c'est quand on atteint de Rennes, c'est d'accueillir les nouveaux, c'est pas qu'ils s'en aillent, tu vois. Donc ce serait juste quand tu... Ben, quand t'arrêtes, quand ça s'arrête en fait, les crédits devraient être peut-être sur un petit bandeau en dessous, en bas de l'image, ou alors littéralement sur l'image même, si tu veux absolument mettre des crédits, mais pas sur un écran noir à la fin. C'est tout ce que j'ai à dire, moi, par exemple, sur le truc. Moi, le reste, j'adore. J'adore le cosplay, la bière, j'adore, tout le reste est cool. Bon, celui-là on l'a tué les gars. Je suis plutôt fier de moi. Je suis arrivé dans une zone que j'avais pas forcément visité à fond. Et on a trouvé un donjon caché, entre guillemets. En tout cas qui était pas très visible. Ici il doit y avoir un truc, c'est obligé. Tu peux pas avoir un marécage empoisonné avec rien dedans. On est d'accord ou pas? Ça, pour moi, c'est pas logique. Ici, c'est bizarre aussi qu'il n'y a pas de site de grâce dans lequel on peut se téléporter. Et j'ai aussi un marécage empoisonné juste là, apparemment. On va aller voir. On va aller voir, tiens. Je vais aller voir ça, tiens. On va se reposer, on va recharger nos trucs. Mais je vais aller voir ça. Parce que je trouve que c'est bizarre. C'est pas normal. Ok ? Pas normal d'avoir des marécages empoisonnés avec rien dedans. Tu peux pas être un endroit de malade avec du poison et que t'as pas besoin d'y aller, tu vois. C'est se fatiguer pour rien. Pourquoi tu mets du poison s'il y a rien, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Des pingouins, tu les touches. Ouais, j'hésitais en fait, mais j'ai dit non, je vais pas les tuer en fait. Ah, vous voyez en fait, il y a des objets à récupérer probablement. Alors, on va aller voir là-bas. Comment ça se fait que je suis venu ici, je suis jamais descendu là? Est-ce que j'ai eu peur en fait quand j'ai vu tout ça? C'est la question que je me pose. Les vraies questions qu'on se pose, tu vois, c'est pourquoi Seros n'as-tu pas mis un pied dans ce truc-là alors que t'es passé à côté? Le ruine du trépas des sorcières. En plus, ça... Il y a son truc, en plus. Alors, du coup, on va invoquer encore une fois... Non, alors ça, c'était dégueulasse. On va invoquer notre oiseau. Voilà. Il me donne un buff. Je sais pas le quoi. C'est quoi son buff? Ok, alors peut-être sortir du truc empoisonné. Oh mon dieu, c'est des robots! Allez, l'oiseau! Merde! C'est le moment où t'as failli te faire défoncer par un robot. What the fuck? C'est quoi ce délire? Par contre, je trouve que l'oiseau, il est vachement plus... L'oiseau, il est vachement plus vénère que la méduse, que Jerry, tu vois. Comment on l'appelle l'oiseau, les amis? Vous avez le droit de le nommer. Si vous voulez nommer l'oiseau, n'hésitez pas. C'est un aigle. Hein. Il va pas bien, l'aigle.
Ah, il a failli mourir, mon oiseau. Il s'appelle Bouboule ? Icaros. À cheval, tu prends pas le poison. Je sais. Gaspard. Oh ! Il est vivant ? Ah ouais, elle est vivante. Enfin, pas plus tellement, mais bon. Francis ? Caros ? Je suis pas méchant, moi. And yet you persist. You frothing degenerates. Ça doit faire mal. Madame ? Elle a les mains, en fait, il y a des pics dans ses deux mains. Madame ? Ok, d'accord, elle veut pas parler plus. J'hésite un peu à la tuer. J'hésite vraiment à la tuer, en fait. Je suis pas méchant, ouais, ouais. Gaston ? Francis, Gaspard, Icaros, Bouboule. Y'a Black Sheep qui dit « Non, ne la tue pas !» Ouais, mais bon, tu sais. Alors, la laisser mourir ici, c'est pas mieux. Hein. On va l'appeler Bouboule, alors. C'est comme c'était le premier nom. On va l'appeler Bouboule. Concrètement, je peux mettre un truc ici, éventuellement. En mode... Bon, j'ai vu quelque chose. Je sais pas ce que c'est exactement. C'est un humain. Et en tout cas, elle était là. Elle parlait. Peut-être qu'à... Plus tard dans le jeu, ça va débloquer quelque chose, j'en sais rien. Donc du coup, on a trouvé quelque chose ici, vous savez, donc ça servait à quelque chose de venir là. On peut aller sur la plage aussi, éventuellement. On va à la plage. Oui. On fait un vote. L'oiseau s'appelle Sir Lord Francis Bouboule, Gaspard de Caros, 7e du 6e du nom. Ah ouais, c'est un nom assez... compliqué, hein. Il y a un site de grâce juste là, par contre. J'ai une quête pour la libérer, il me semble, mais je sais pas comment ça se passe. D'accord. Allez, bon, on va... Oh, il y a une boutique juste là. On va s'asseoir. Je retiendrai jamais ce nom en entier, je vais juste l'appeler Bouboule. Ok, j'ai rien. Je sais pas si je peux vendre des choses actuellement. Monsieur, bonjour. There's been an age since. How can I help here? Alors, est-ce que je peux vendre des choses? Je peux te vendre 12 boules. Et une. Ok, ça fait pas mal. J'en ai des objets, non? J'en ai des objets, OMG. Alors avec toi, je peux acheter quoi? Je peux acheter 3. On va acheter ça. Clé, lame, pierre, on va en acheter 3. Ça fera... Beaucoup. J'en ai pas assez. Avec mes 9000, de toute façon, je peux pas évoluer non plus. Bon, allez, je prends. Ça, c'est quoi? Cendre de guerre perdue. Permet de dupliquer les cendres de guerre. Non, ouais, mais j'ai pas de cendre de guerre. Note concernant les informations. Le mausolée ambulant. Let's go. Ici, c'est une épée à deux mains qui s'appelle... C'est juste une épée à deux mains. Ok. Et des pierres de forge. Je prends. C'est des trucs importants. Voilà. Ouais, au revoir, monsieur. Merci pour tout. Votre cheval, il est très moche. Je suis désolé, c'est gratuit, mais bon, voilà, c'est vrai, quoi. C'est bon, quoi. La lanterne, c'est pratique. J'ai déjà, moi. J'ai la lanterne. J'ai aussi une torche que j'avais trouvée. Donc, j'ai pas eu besoin de l'acheter, en soi. Allez. Il y a des petits crabes, il y a des zombies partout. C'est pas forcément un bon endroit pour traîner, hein. De mon noble avis. On va juste parcourir la plage. Regardez la quantité d'ennemis qu'il y a sur cette plage. What the fuck? C'est Days Gone le jeu ou quoi? Regardez-moi ça! Tu viens ici, c'est la mort! Hein. Nous sommes les zombies! Nous venons en paix!
Ok, j'ai récupéré des petites runes. Regardez-moi la quantité de zombies qu'il y a. What the fuck. On va aller là-bas juste pour voir s'il n'y a pas une sorte de porte ou une connerie du genre. Et après, je vais aller ailleurs pour voir si j'ai bien visité. World War Z, ouais, c'est ça. C'est une armée des morts vivantes. Une toute petite armée, alors. Une toute petite armée. Et ici, on a des pingouins. Le papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin, nanana. J'aime pas ceux-là, ils sont moches. C'est peut-être des pingouins évolués, en vrai. Oh. Petite rune dorée. Et on vient juste récupérer des runes. Et on s'en va. T'es pas obligé de te battre contre tout le monde, c'est ça qui est cool. J'ai la famille araignée sur Apples que j'ai appelée Lady Vera, face de Prout, Germaine de Lyon. Tu peux mettre tout ce nom là ? Quelque chose là. Ah mais c'est le... Ok c'est bon. Quelque chose là. Oh. Est-ce que je peux me téléporter ? Ouais je peux. Donc du coup c'est bon. Ici on va aller ailleurs. L'arbre monde de ce côté là j'ai fait. L'église des pèlerins j'ai fait. L'île aux dragons j'ai fait. Le château, on l'a fait aussi. On a même fait la quête secondaire qui était là-bas. Les catacombes rageuses. Je sais ce que je dois faire, en fait, les gars. Je sais ce que je dois faire. La vérité. La vérité, même. La vraie vérité, les amis. Oh, c'est un monstre au tentacule. Terrible monstre au tentaculaire. En quête d'une servante portée pour Lyanna alors, chercher l'église de la Rose à l'ouest des portes de la ville. Ça j'ai déjà fait ça. Ça c'est déjà fait, je crois que j'ai déjà même recroisé plus tard ce gars là, il me semble. On va aller faire quelque chose. Parce que vu qu'on a des clés, vu qu'on a des clés lames, autant directement aller tu vois. Hey, je viens d'arriver, salut à Tarmiel. Le deuxième marécage empoisonné, ouais. Non mais en fait, là j'ai des clés, j'ai surtout des clés lames. Je veux les utiliser contre ce... contre cette porte. Ici c'est le niveau du début, tu sais. Quand t'arrives ici, c'est la première porte que tu vois. J'ai fait un deuxième perso. Et j'ai fait avec un don de lumière, avec un don de départ, c'était une clé lame. Du coup j'ai ouvert et je suis descendu ici. Et il y a un boss en fait. Il y a un boss tout en bas. Et il faudrait donc que je le fasse avec ce perso pour le coup. Et il y a un truc aussi particulier à savoir avec ce jeu, c'est que... Oh merde, je suis empoisonné. Il y a un truc particulier avec ce jeu, c'est que... Si tu roules dans le... Si tu roules là-dedans, ça te... Ça t'empoisonne plus en fait. C'est un peu dégueulasse. Ça revient. C'est un énorme... Aïe. Je vais pas me spoiler, je vais aller le faire. Ah, ça a commencé il y a longtemps. Théoriquement, oui, mais en fait, en vrai, ça fait seulement une heure. Parce que j'ai eu une coupure de courant de 2h30, ce qui fait que j'ai pas pu live pendant ce temps-là. Fail. Chez. Je te jure. C'était pas prévu que je meure comme ça. J'étais bien, j'étais au bon endroit. Hein. Alors, regardez le poison, ça monte très vite. Et si je saute, ou si je roule, les trucs comme ça, il se... Ouais, ça fait beaucoup plus de dégâts. Ah, mais d'accord, ça a traversé le mur aussi. Oh fuck. Ah oh. Let's go. Aïe. Aïe.
Alors j'ai vu une espèce de grande épée qui dépasse d'en haut là. De là à penser que ce truc va essayer de me défoncer. Vous voyez ou pas? Oh! Ah ouais, d'accord! Eh, il est salaud lui, il sait! Il sait en fait! Je me dépêche! Cours! Fuck you! On est d'accord que c'est de la merde. C'est un boss ou quoi? Je crois pas qu'on puisse se battre contre lui. C'est un... On va dire c'est un piège. C'est un piège. Qui m'en veut beaucoup. Et qui, comme par hasard, change de direction. Peut-être faire des trucs dans son dos. Pas qu'il voit. Si on peut le tuer. Hein. Alors clairement on peut pas descendre par là. Hein. Impossible. Mais pas... Tu n'as pas le lumier dans tes cendres? Je sais pas ce que c'est. Alors ça c'est beau. Beaucoup d'entre vous me parlez comme si je connais par cœur en fait les cendres etc. Alors que en fait je découvre le jeu. Je suis là en mode, bah, je sais pas non. Je sais pas ce que c'est. On peut pas le tuer, c'est dommage. Ouais c'est un piège hein. Ok, il est parti. Ok, je veux bien, mais je fais comment, moi? Je peux pas, là! Bah, je remonte, hein! Mais c'est... Mais les gars... C'est de l'arnaque? C'est de l'arnaque! Regardez! Est-ce que je peux sauter au-dessus de lui, je pensais? C'est la seule... Ce serait le seul moyen, en fait. Et là, clairement, je peux pas courir plus vite que lui, tu vois. Ouais, ouais, non, si. Éventuellement. Essayer de le suivre en fait quand il court. Et essayer de sauter. Par là! Mais c'est impossible! C'est impossible! Saute quand tu descends, ça permet d'aller plus vite? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression, c'est Mais là, quand j'ai fait ça la dernière fois avec mon autre perso, c'était avant tous les patchs qu'il y a, donc du coup, il y a sûrement... ils ont sûrement réglé des trucs, hein. Je dois vous laisser, j'ai du taf à ne plus quand ça va en faire, mais vu que sur ce jeu, tout va bien. Ah ok, d'accord. A plus. Parce que moi quand j'ai... La dernière fois que j'ai joué à ça, il me laissait en fait le temps en fait. Là il descend comme ça là. Il me laissait le temps. Genre je sais pas si je l'avais brain comme du genre.
c'était censé être un truc facile. Comment on fait pour avoir des roulades presque en téléportation? C'est sûrement une centre de guerre. C'est sûrement une centre de guerre, clairement. Jump là où il y a le fantôme. Non, je rage pas, non. A plus, Harakiri. Et écoute, bah, bonne game à toi. Beaucoup. Ici, tu veux dire? Jumper comme ça? D'accord, j'avais pas compris. J'avais pas compris la farce. Du coup, oui, comme ça, oui, effectivement. Il faut que je descende ou je monte? Il arrive! Ah, il me suit, hein! Il me suit! Ok, il est parti quelque part. Là, il va très loin. Allez, je remonte. J'ai le temps ou pas? Oh yeah! Oh yeah! Salut! J'ai l'impression que vous êtes pas très gentil, monsieur. Ok. Aïe. Hey. Allez. Bon sang. Nul. Il est mal poli, il dit pas bonjour, il m'attaque direct. Je pense que je le tue. Mais cette fois-ci, je vais arrêter de jouer avec l'épée, je vais jouer avec le katana. On va arrêter les frites tout de suite, hein. On va se mettre bien. Direct. Maintenant, il sait comment descendre vite. Oui, bah merci beaucoup. Parce que j'avais pas compris, en fait, quand vous disiez de sauter. J'avais pas compris que... Parce que je suis en mode, bah, si je saute, ça va pas plus vite. Je saute, c'est tout. Et c'est pas une question, ça va plus vite, c'est une question, le bébête ne te voit pas. Oh.
Ah, stop. Allez, go, 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 go. Je crois que j'ai le temps d'arriver jusqu'en haut. Let's go. Yo, filouf, y a pas de dégâts dessus dans ce jeu? Si, y en a. Mais c'est juste que ton personnage peut sauter plus haut. Va me remourir là quand même. Quand même. J'ai failli hein. Un sceau de communion draconique. Ok. Je sais pas à quoi ça sert. Alors, équipement. Les coups critiques restaurent les PV. Augmente la foi. Un sceau de trucs draconiques. Je vois pas où ça peut être. Il est là. D'accord, c'est un sourd. D'accord, c'est pour le, c'est pour la foi. Encore une fois, j'ai récupéré un truc pour de la foi, les gars. Je me sens trahi par ce jeu à chaque fois. C'est bon. J'ai cru qu'il allait revenir. Allez, c'est parti. Maintenant, on va tout en bas en espérant qu'il ne va pas m'écraser. Peut-être aller là. Non, y'a rien ici. Ça revient? Je suis dans la merde! Putain! Oh, ça m'énerve. Ça m'énerve. Oh mon dieu. Oh mon dieu, ça m'énerve. Ne dis pas bro, genre tu peux, quand tu sais pas en fait. Non, vous savez pas les gars. Faites pas genre vous saviez vous quand la première fois que t'es descendu sans mourir. Ah mais du coup, il est tout en bas. J'ai essayé. Je me suis dit peut-être que. Bon, jamais. En fait, je pense que le plus chiant, c'est vraiment de descendre. Et je suppose que le boss, il va être chiant aussi. Limite de t'obliger à. Limite, ouais, il va t'obliger à essayer de. De remonter, etc. C'est quand même cool en fait qu'on puisse sauter à cette hauteur. Parce que dans Dark Souls 3, tu faisais ça, tu te pétais un mollet. Hein. Allez, Gilbert! Let's go, let's go, let's go! Coucou, première fois sur ton live, ça fait plaisir. Merci à toi, monsieur Psyka. Et bienvenue sur mon live. Ça fait plaisir. J'ai pas confiance. Wow. Ok. J'aurais dû avoir confiance. J'ai tout le temps, en fait. Oh mon dieu, j'avais tout le temps. Je pouvais descendre trois fois.
suis tombé. Allez les gars, venez, 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 venez. Il vise le mauvais. Il est où? Il vient pas? Je suis aussi bloqué ce bazar sur ma run Alden. Je viens d'apprendre qu'on pouvait sauter pour bait le piège. Merci. Ah! Ok. Bah nickel. Pour l'instant, je sais pas où il est en fait. Du coup, ça m'inquiète un peu cette histoire. Il était pas là depuis tout à l'heure. Il était pas là depuis tout à l'heure. Et là maintenant il est arrivé. Putain, vous êtes sérieux? J'avais genre 40 ans pour descendre. Et au moment où je descends, c'est là qu'il arrive dans mon dos. Vous êtes sérieux? Punaise. Tu sens quand même le sel en toi. Non. Pas de sel. Y'a pas de sel, hein. Moi je suis que du sucre. Et du miel. Miel et sucre. Voilà, c'est tout. Salut Jeannot. Je reste pas longtemps. Oh bah écoute, ça marche. En fait il me fait un peu penser, vous savez, à quel ennemi. Celui qui L'espèce de gros truc squelette là. Je sais pas si vous en rappelez en fait dans le Dark Souls 3. Une espèce d'ennemi qui c'est un gros truc squelette. Il avait 1580 points de vie, tiens. C'est récent cette histoire. J'ai acheté le jeu aujourd'hui, je ne comprends pas. J'aimerais avoir le sorcier, il faut choisir un personnage particulier. Bah tu peux choisir le sorcier. Tout simplement. Oh là là. Non. Non. Mais j'aime pas le fait que la caméra se bloque dans un coin et du coup t'es en mode de vas-y Putain. Vous êtes sérieux là? C'est pas compliqué, c'est juste qu'il y a le... Il y a rien qui va là. C'est pas compliqué en soi, hein. Il faut esquiver le piège. Yes. Seul souci, c'est que les petits péons que tu peux tuer en deux coups, lorsqu'ils sont 40, c'est difficile. Je vais pas gaspiller un arc runique sur cette séquence, par contre. On le garde pour les boss ou un truc comme ça, mais clairement pas sur cette séquence. Détente et self-control. Bonjour. Et vous avez vu, je cours, ma endurance descend pas. Il est dans mon dos. Il m'a rattrapé. Ah bah là, je suis dans la merde. Ok. Je sais pas si j'aurai le temps. Là c'est mort. Il faut que je le suive en fait, j'ai pas le choix. Faut que je parte en attendant plus. Genre maintenant. Et je croise les doigts.
Là j'ai eu de la chance, ils ont été défoncés par le piège. J'aimerais utiliser le pas du rond, mais 25k c'est beaucoup, j'ai que 32. C'est fait exprès. C'est fait exprès, voyons. Y'a pas un... Ah yes, y'a une vierge. C'est bon. Ce que j'allais dire, putain, remonter tout ça là, ça va être... Wow. Ok. Bonjour, l'esprit de l'arbre ulcéreux. Bah c'est un arbre. Un arbre qui fait des... du feu. Putain, mais sérieux. Mais sérieux, j'avais... je l'avais stun, et quand il est stun, il lâche du feu. Mais c'est quoi, c'est quoi cette blague? Ouais, le pauvre, ouais, bon bah... Et moi, moi je suis pas un pauvre, moi. Mission failed. We'll get him next time. Tu es mort ? Non. Ouais, là, là. C'est pas grave. Il est vénère, l'arbre. Il est ulcéreux, mais pas trop. Il est ulcéreux, mais... moyen, tu vois. On va invoquer l'oiseau. Oh mon Dieu! Ce qui est génial, c'est quand même que je... Tu sais, si c'était Dark Souls 3 ou Dark Souls 1, j'aurais dû recommencer depuis en haut. Retraverser le poison, descendre toute la pente, etc. Si c'était Dark Souls 1 et 3, ça aurait été comme ça. Donc, du coup, j'ai même pas le droit d'être en colère, tu vois. Genre là, ça va, en vrai. En vrai, ça va. Il y a pire, quand même. Il y a vraiment pire. Il a tué mon oiseau déjà. Oh boy. Hey. Oh fuck. Je sais pas si j'ai récupéré mes âmes ou pas. Oh mon Dieu, j'ai... Bon ben il pique finalement. Et une chips. Au moment c'est une chips. Bon mais oh, ouais, on est derrière toi, on t'encourage, merci. Voilà, ça j'accepte. Il a one shot mon... Il a one shot mon oiseau en fait. Ah, ma chérie, qu'est-ce qu'elle m'envoie? Hé.
Elle m'envoie une vidéo où t'as un chat qui balance toute sa litière par terre. Mais oui. Ouais, et Too Much, il fait ça, en fait. Je vais tester mon épée de feu. Juste pour voir. Ok? Il est on fire, cet arbre. Ouais. Il a tué mon oiseau! Oh mon dieu, nul! Ok, katana, sinon rien. Il est vénère, hein. Fuck. Ah, oh, il m'a écrasé, putain. J'ai pas fait exprès de prendre l'arbalète, hein. Là, clairement, elle est apparue dans ma main en mode « Qu'est-ce que l'arbalète fait dans mes mains ?» J'ai pas fait exprès de prendre l'arbalète. Putain ! J'étais là en mode « What ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tic-tic ? Non, pas tic-tic, là ! Les gars, non, non, non. On enlève ça, là. On enlève tous les armes qui servent à rien, là. Dégâts magiques, on s'en fout, il y en a pas. Récupération de vigilance, oui, je veux bien. Résistance, non. Immunité, non. Focalisation, c'est quoi une focalisation ? Je sais même pas ce que c'est. Fois, restitue des PV, augmente les PC rendus par viol, attire l'endurance, augmente la charge d'équipement, non. Améliore les contre-attaques, non. Coup final, non. Attaque chargée. Je sais pas s'il a... Ah, améliore les cris et les souffles. Non, c'est ni l'un ni l'autre, ça. Augmente l'attaque sacrée, mais réduit la résistance aux dégâts. Les coups critiques, machin. En cas de mort, cet objet est perdu, on s'en fout. Je vais mettre... Y a rien qui soit bien pour moi, là. Augmente les PC rendus par la fiole. Restitue... Oh, on va mettre ça. Allez. Allez, on s'y va. On y va, on y va. Je pensais que j'allais le défoncer aussi. Il m'a attrapé là par contre. Il veut l'empoisonner.
Merde, j'ai plus de médu... Allez ! Allez ! Wouh ! Il est pas mort. J'allais dire, oh bah, on va peut-être se faire tuer comme ça en fait. Let's go. Eh bah purée. Ok, ça fait plaisir. En vrai, ça fait plaisir. Ce boss était pas facile. En tout cas, pas pour moi. C'est bon, c'est parti. C'est bon, c'est parti. On est revenu là, on est revenu. Alors, on est de retour les amis, on est de retour. Là, ça fait plaisir. Bon. Bon, 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 bon. On va s'allonger ici deux secondes. J'ai eu 15 000 âmes. Il m'en manque. Il m'en manque. Il m'en manque. Il m'en manque, il m'en manque, il m'en manque. Il faut qu'on fasse dans l'inventaire et qu'on mange ça. Voilà. Et maintenant, on peut en prendre. Maintenant, je peux te dire que t'as raté un sub. Eternity Ryzen, merci à toi pour ton sub. Merci beaucoup. Je suis désolé, j'étais en plein combat. J'espère que tu m'en veux pas. En tout cas, je suis pumping up, là. Maintenant, oui, le but, maintenant, les amis, c'est de monter la vie à 1000. Donc, du coup, encore quelques levels et ça ira, en vrai. 709, ça monte vite, hein. On va monter la vie à 1000, les gars. Du coup, on a battu ce boss-là. On peut enlever ce repère. Pas comme ça, Seros. Voilà, comme ça. Ça, c'est quoi? La tombe des héros des confins? Hein? Je suis déjà allé là-dedans? Ok, bah, peut-être. Hein. Je sais pas. Il y a des nouveaux trucs, en fait, sur cette map, non? Vous pensez que c'est les patchs qui ont ajouté des trucs? Parce que je me rappelle pas d'avoir vu ça. Je peux me tromper, hein. Je peux me tromper, hein. Du coup, la cabane de Val Orage, ici on sait bien comment c'était. La geôle du scélérat, ça s'est fait. Oh, tout se passe en Kaelid, en fait, les gars. Toute l'histoire se passe en Kaelid. Hein. Ici, je suis jamais venu ici. Ça m'étonnerait qu'on ait un aussi grand endroit et avec aucun moyen. Oh boy, attendez, on va aller à la tour du prosélytiste. On va aller là-bas. Je crois que je suis jamais monté sur ce truc. Va dans les souterrains. Non, j'aime pas trop. Faites-moi d'abbé, let's go. J'ai toujours cru en toi, merci Dongho. Merci à toi. Oh. Qu'est-ce que c'est là? Oh les gars, je suis jamais venu ici. Je suis jamais venu ici. Regardez cet arbre là. Regardez cet arbre là. C'est spécial, tu vois, c'est un arbre spécial. Oh non, c'est du poison les gars. Oh non, marécage empoisonné. Avec des gros crabes. Mais je suis jamais allé là-bas. Je suis jamais allé là-dessous. Je pense que c'est le seul moyen d'entrer, de monter au sommet, tu vois. Alors, c'est pas ouf, mais en même temps, c'est très beau. Tu vois, je suis perdu, là. Je suis perdu, là, avec cette histoire. C'est pas beau, mais c'est joli, mais en même temps, c'est mortel, tu vois. On va récupérer de la vipéria, je sais pas à quoi ça sert. Cet endroit empoisonné dégueulasse, quoi. C'est beau, Elden Ring, j'avoue. Il y a un homme crabe. Un homme machin qui est mort là. Vous entendez le bruit? Il y a un mec qui tousse. Ah, c'est un zombie! Les zombies en train de tousser ses tripes. Il y a le Covid! Vite, mon masque! Oh mon dieu. Lys de Trina. Ouais, c'est chouette en vrai. Ah!
Non! Oh boy. Attends. Cet endroit, c'est vraiment genre... Ça s'arrête là, quoi, tu vois, le marécage, il est pas long, en fait, hein. Incroyable, cette histoire. C'est juste, j'ai juste traversé en dessous, tu vois. Je dois aller tout en haut. Donc, peut-être pour aller là-haut, j'ai un téléporteur à prendre quelque part d'autre. Ou alors, il y a un ascenseur ou une connerie du genre, tu vois. Ah, franchement, ouais, les gars, c'est quand même super beau. En pleine méditation. On va essayer de pas les perturber. Parce que moi, franchement, je serais un mec qui médite. J'aurais pas aimé, en fait, qu'un mec à cheval, chèvre, vienne perturber cette méditation. Et s'il m'attaque, ce serait totalement normal, tu vois. En fait, je vais juste aller voir ce qu'il y a dans le mausolée d'à côté. Le Covid attaque! Ouais. Je suis vraiment en mode putain, il y a du brouillard et tout, c'est vraiment stylé quoi. Alors que je devrais pas en fait regarder les graphismes. Hein. Je devrais juste faire attention à ne pas me faire tuer, tu vois. Mais ça, regardez, on dirait putain, c'est super épique, on est d'accord ou pas? Ah, on reprend le. Oh, il y a un site de grâce juste là. Oh ben merde. Voilà. Salut, je sors de Londres pour une question. Est-ce que Elden Ring est plus compliqué que Dark Souls ou c'est l'inverse? En soi, je trouve que le jeu est plus accessible que Dark Souls. Cependant, il y a des passages qui peuvent être vachement compliqués, surtout lorsque c'est la première fois que tu fais le jeu. Je pense que si tu as la possibilité de tester le jeu déjà pour voir si ça va te plaire, faut pas hésiter. Si quelqu'un peut te prêter le jeu, etc. Sinon, si tu prends sur Steam, si tu joues à moins de 2 heures, tu peux te faire rembourser le jeu. Alors, renseigne-toi d'abord sur comment on fait pour rembourser le jeu, parce que sinon, en fait, si tu sais pas vraiment, tu risques de pas savoir comment faire. Bref, si le jeu te plaît vraiment, ensuite, bah là, tu peux continuer, tu vois. Mais en soi, le jeu, moi, personnellement, il me plaît énormément. Je le trouve plus accessible que Dark Souls, mais je le trouve pas plus facile. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des endroits, franchement, c'est dur. Je suis abonné à toi depuis 2 ans sur ta chaîne YouTube. Merci beaucoup. Ce jeu me bluffe depuis le début. Gwen, c'est quand que tu l'achètes, toi? C'est quand que t'achètes ce jeu, toi? Comment je fais pour monter là-haut, moi, surtout? Oh, attendez. Je crois que j'ai trouvé un chemin. Ça, c'est un chemin. Ça, c'est un chemin. C'est pas un chemin. C'est pas un chemin, les gars. J'ai cru que c'était un chemin, c'était pas un chemin. Oh mon dieu. Vous savez, le développeur de ce jeu, il a dit qu'il a mis des trucs empoisonnés partout parce qu'il adore ça. Et je pense que quand il dit qu'il adore ça, c'est qu'il nous déteste. Il déteste les joueurs, en fait. Il aime pas les joueurs d'Elden Ring. Ou les joueurs de... Les joueurs tout court. Ce cabri. Ah. C'est vraiment très haut. Je crois que je peux pas y aller. Hein. Ou alors si je peux y aller, il faut... C'est drôle de voir ce jeu. Heureux, Valou. 45% des joueurs d'Elden ont abandonné à Margit. 45%. 2 semaines après achat et 2 heures max de jeu. Pour se faire rembourser. Merci Baboulinette pour la précision. Je l'aimais d'une manière autre que le prêtage et l'achetage. Si tu l'as d'une autre manière, mais t'as même pas posé la question, joue au jeu, tu verras. Si t'as le jeu d'une façon autre que le prêtage et l'achetage, ben bro, ben joue au jeu, c'est tout. Bon.
J'essaie de trouver un chemin, tu vois. Là-bas, on dirait qu'il y a un chemin. Là, vous voyez le truc là ? On dirait qu'il y a une structure même. On dirait qu'il y a une structure dans cette direction. Oh ! Toi là. Non, reviens ici. Cendre de guerre, vœu d'inflexibilité, d'humilité. Je suppose que je ne suis pas poise. Il y a une structure, il y a vraiment une structure là-haut. Il y a des pendus. Ok, d'accord. Il y a peut-être un moyen de monter là-haut grâce à un ascenseur qui est caché quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Il faut juste que j'ai pas peur des gros crabes. Si j'arrive à ne pas avoir peur des gros crabes, il y a des chances que je peux le trouver. Le vol? Oui, peut-être, éventuellement. Trouvé. Facile. Le village des albinoriques. D'accord, les mecs sont en train de pleurer. T'es méchante, toi? Ah non, t'es gentil, toi. Oh, it's you. Oui, salut. Well, elle m'a aidé contre Margit. Ou Godric, je sais plus. What's happened to this village? I witnessed a sight much the same in my infancy. A plus, monsieur Psyka. Murder and pillage unchecked. A waking nightmare made by men. Il y a un pont juste au-dessus. But this time, I'm a woman grown. And though the suffering cannot be undone, I can still mete out justice. Justice to the oppressors. Let the scars I carve remind them. I am Nefeli Lu, warrior. But this time, okay. I'm a woman grown. Je sais. Une grande femme. Oui. Ils vont se réveiller pour m'attaquer ou pas? Ils me regardent. Bro, t'as pas intérêt de sauter. Hein. J'aime pas cette animation. Les gars, calmez-vous. Je vous préviens. Je vous préviens, j'attaque, moi. J'ai prévenu. Oh, ils sont nombreux, bordel. J'ai perdu ma manette. Il n'y a plus de batterie, je pense. Attendez. Comme c'est pas la manette Xbox, il m'a pas indiqué qu'il n'y a plus de batterie. Je pense. Hein. J'avais vu le lag que ça a fait quand ça a déconnecté. De là à penser que la manette sur PC fait laguer le... Le jeu, aucun pas. Juste Pigno, ça me fera toujours rire. Faudrait que je rechange mon pseudo un jour, mais pour l'instant, ça va. Fume-le. Ouais, on les a fumés. Allez, viens ici, toi. J'ai trouvé une larme larvaire. Ok. Ça n'a pas l'air ouf, en fait, comme système, mais bon, oui, pourquoi pas. Alors, je peux grimper par là-bas, je peux aussi traverser par ici. Ça ne m'amène pas du tout au même endroit. La manette s'est re-éteinte, mais elle se charge même pas. Oh fuck. Elle se charge pas. Pourtant, je la branche ici. Pourquoi tu marches pas? Parce que là, le problème, c'est que mon PC il est vachement loin. Tu vois. Fuck, j'ai plus de manette. Je reviens, je vais juste voir si.
Oups. Il est porté volé. Alors déjà c'est ma manette que j'ai eu prête. Ok. D'abord. Donc je vole rien. Merde. Ça ne fonctionne pas. Il y a un site de Gragi derrière. Je le prends juste après. Dès que j'ai réquisitionné sa réquisition. C'est ça. C'est exactement ça. De toute façon, je vais arrêter aussi là bientôt. Je vais juste prendre le site de grâce, juste voir où on est et on arrête là parce que le. Il est 20h. Il faut que je. Faut que je commande à manger et il faut que je fasse la vidéo de ce soir surtout. Sérieusement? Hello? Perso, il est 18h. Bah ouais, mais j'habite à La Réunion. Voilà. Donc ça devrait le faire là maintenant. J'espère. C'est bon, ça marche. Ouais. Tout de suite, c'est pas pareil. Hein. C'est bizarre en fait, la manette PS, la manette PlayStation et la manette Xbox sont vraiment deux ergonomies vraiment différentes, tu vois. Le village est perdu. Pitié, même s'il s'agit que de vous, vieil Albus, cachez-vous et retenez votre souffle. Il est dans le... Mais il a mal retenu son souffle, il est mort. Il s'est fait tuer. Depuis le temps que je suis sur le site. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas et qui me demandent à chaque fois pourquoi je dis ça. À chaque fois, ils se disent bah, pourquoi tu dis qu'il était l'heure? Chez moi, il était l'heure. Je dis bah, oui, mais il y a. On est littéralement. Comment dire? Il y a des fuseaux horaires dans le monde. Enfin, là, je suis à La Réunion, mais j'aurais pu être. J'aurais pu être ailleurs. Hein. J'aurais pu être. Où? J'aurais pu être en Nouvelle-Calédonie, par exemple, avec Ganesh. C'est quoi ça? Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais, il est déter lui! Il est très déter hein, comme vous avez pu le voir. Hein. Ce pot qui est éclairé en jaune. Je m'inquiète un peu. Secrets lie with me, not a one. Oh, please leave me be. Trop bien. Wait, then. You're not one of them. Well, what a relief. Oh, goodness me. I. Ah, c'est lui, Albus. An Albinoric. As you can see, we're finished. The whole village is finished. The curse mongers have destroyed everything. No one that remains has their wits about them. I beg you. No. Would you look after this medallion? You must keep it out of the curse mongers' hands. Les gars! OMG! The young Albinoric Latena. C'est trop bien! Please give it to her. Les gars, c'est trop bien, c'est trop bien. Je suis venu ici uniquement. Les gens, je suis venu ici uniquement parce que c'était le seul endroit de cette zone que je n'avais pas visité. Et le médaillon me permet d'ouvrir le passage ici. C'est trop bien. Je peux enfin aller de l'autre côté. A chosen land awaits us, Albinoric. The medallion is the key that leads to the city. Trop bien. It's only a quaint treasure for we who cannot make the journey, but for dear Latena. It is needed to fulfill her purpose. D'accord. My legs will soon fade, alas.
Des fois, j'ai calculé les heures de décalage juste pendant tes vidéos de Last of Us. Pourtant, j'avais dit avec l'heure de Métropole, il me semble. Mais j'étais super en retard pour Last of Us. À chaque fois, j'arrivais pas à avoir le bon timing. Il est mort ! Albus ! Dumbledore ! Une faucille en ivoire. Harry Pomme de Terre. Ok, une petite bestiole là-bas. Franchement, je suis trop content parce que j'ai vraiment trouvé cet endroit par hasard. Et c'est un endroit que j'avais besoin de trouver, tu vois. Ça fait plaisir. Oh boy. Albus ? T'as changé, Albus. C'est rigolo parce qu'en fait, c'est le même perso, tu vois. Exactement le même perso. Sauf que lui, il est méchant. Non, c'est pas grave vu que tu le mettais super qualité à chaque fois. Ah, c'est gentil. J'ai les deux moitiés du médaillon, exactement. Je vais pouvoir l'utiliser. Oh. Aïe. Oh fuck. Merde, le truc il est parti lui. Ouais, il est parti, fuck. Tristesse. Ouh. Oh. What? Pourquoi je peux t'invoquer? Ok, je peux invoquer Néphilirou. Allez Néphili, je crois qu'il y a un combat qui s'annonce devant nous. Ah oui, il a l'air méchant lui. Le tueur de pureté. Il est méchant. Il est mort. Let's go. On l'a défoncé les gars. J'ai utilisé tout ce que le jeu m'a donné pour pouvoir le défoncer. Invocation, en veux-tu en voilà. Invocation. Partenaire et tout. Allez. Il a pas résisté. Hein. Il a pas résisté, hein. C'est ça. C'est comme ça qu'on joue à Dark Souls. C'est quand on soit qu'on joue à Elden Ring. On se venge de toutes les fois où le jeu nous a défoncé. Néphili, pourquoi tu lui as parlé? Parce que tu lui as parlé, d'accord. Oui, mais en fait, le truc, c'est que du coup, je lui ai parlé aussi quand, pour Godric. Elle est venue m'aider contre Godric. Mais elle est morte juste avant. Mais ça fait plaisir de la voir qu'elle est toujours vivante, en fait. Du coup, j'ai battu ce monsieur. C'était un petit boss, je suppose. C'est juste la suite de sa quête. Ah. Du coup, j'ai bien fait de l'invoquer en fait, c'est ça, Wolfhanger? Parce que je vous avouerai que c'est vrai que c'est complexe quand même ce jeu. Hein. Il est assez complexe dans les quêtes secondaires, etc. Ok, d'accord, c'était nécessaire. Franchement, parce que tu fais les quêtes, des fois tu comprends pas que tu fais une quête secondaire. Tu fais, j'ai juste tapé un mec, tu vois. J'avais même pas cliqué là-dessus. J'ai pris ce truc-là? Ouais, j'ai... Ah, tu la verras à la table? Oh, cool. En vrai, c'est cool. C'est cool parce que c'est un personnage qui nous parle depuis longtemps. J'ai failli utiliser ce truc-là, c'est pas... Ouais, pas forcément le meilleur moment pour voir ça. Surtout si je meurs juste après. La seule quête où tu as besoin d'invoquer le PNJ pour continuer, il me semble. OMG, j'ai... Oh mon dieu. T'es en train de me dire que j'ai pas... Oh mon dieu. Ça m'aurait fait chier, franchement. Ça m'aurait vraiment fait chier si je l'avais tué sans l'invoquer, tu vois. Parce que c'est... j'aurais fait ça en mode... Non, mais je peux le faire sans l'invocation. Hé, hey, Constant, merci pour ton Prime, c'est très gentil. Bienvenue à toi sur mon live, j'espère que tu vas bien.
c'est un toutou. Il est... Non. Ah ! Tu ressembles à un vieil ami à moi qui s'appelait Albus Dumbledore. Toi ici, ouais, toi ici. Voilà. Bon, oh, expliquer pourquoi que quand je les tue, ils laissent une mare de trucs blancs par terre là, c'est un peu dégueulasse. Moi je dis ça, je dis rien. Hein. Bon, bah ça veut dire, les gens, que cette zone a été... Ah, il y a quand même un objet là. Elle a été un peu clean, hein. On a réussi à récupérer la deuxième partie de l'amulette. On a fait apparemment la quête secondaire de Néphilie. Bon, j'ai envie de te dire que je considère que ce live, malgré le fait qu'on ait eu une coupure de courant qui a duré 2 heures, c'est quand même une petite victoire, d'accord? Ceci dit, je me dis aussi que là, en fait, on visite le truc. On n'est pas au-dessus, on est en dessous. Moi, je pensais que c'était au-dessus. Voilà. Et... Mais c'est bien aussi, en fait, de voir qu'il y a des environnements qui sont comme ça en dessous. Attendez, alors, avant de continuer, avant de partir très loin, est-ce que je suis parti là-dedans, moi? Je ne pense pas. Je vais mettre 2 points de navigation pour être sûr que j'ai tout visité, tu vois. Wait. Alors, numéro 3. Numéro 3 est dans cette direction. Ouais, en vrai, non, on peut pas. Donc, c'est bien au-dessus, en fait. Parce qu'il n'y a rien ici. Ok, d'accord, on est d'accord. Donc, ce que je vois là, que j'ai pas pu visiter pour le coup, ça, c'est au-dessus de moi, ok? Il y a sûrement un moyen, je crois, hein, si je comprends bien, il y a sûrement un moyen de se téléporter au-dessus ou de prendre un truc par là-bas, tu vois, il y a un chemin par là sûrement qui peut me permettre d'y aller. Voilà. Donc, oh ben voilà, ah, j'allais dire au revoir Séros. C'était comme ça que je meurs. Mais tu peux pas maintenant, c'est en haut, on dira rien. Ok, d'accord. Ok, ok, très bien. Merci les gars. Mais pour le coup, on va aller juste ici. Et on va aller... Oui. On va aller... Non! On va aller améliorer son... On va aller améliorer ses armes. Attends. Non, parce que... je vous vois venir, là. Ça, c'est un coup à se taper un boss juste avant de prendre le truc qu'on voulait prendre, tu vois. C'est très long et lié à quelque chose. T'inquiète, secret. Tu vas utiliser le médaillon avant de partir. Le médaillon? Quel médaillon, Seb? Ah! Ah! What? What? Mais what the fuck? On m'avait dit qu'on se battait pas ici! Je me suis... Bien sûr que j'ai même pas... Je n'ai même pas soigné avant de venir. C'est qui lui? Ennemi majeur abattu? La main a grippé. What the fuck? La... La main a grippé. Faut que je la cherche, la main a grippé, là. La poudre de Miranda. Ah, c'est peut-être un... Ouais, c'est une arme. Ok, d'accord, c'est une arme que j'ai récupérée. What the fuck? T'auras la tenue à son placement, vas-y. Quelle tenue? L'emplacement de quoi, en fait? De quoi tu parles, toi? Les gars, c'est passé quoi, là? Ah,
I serve the Golden Order that I might put this crooked land to right, following only the guidance. Those who live in death fall out, their mere existence sullies, and so it is the vermin must. Oh, une allégorie de l'ordre qui inflige des dégâts sacrés. Ok, dégâts sacrés, c'est dégâts sacrés avec lui, ok. Ah, c'est lui qui m'a attaqué! La dépouille royale. Armure de la dépouille jambière. Mais pourquoi il m'a attaqué? C'était mon pote! Bro! Monsieur, il m'a attaqué! Journey to the capital, Lendell. The two fingers will deny. You may be our best hope. Il s'appelait comment? Il s'appelait comment, les gars? Alors, du coup, je lis pas parce que, apparemment, Wolfhanger me dit qu'il y a du spoil. Je ne lirai pas en fait ce qui se passe en haut. Je vais acheter deux autres. Voilà. J'ai toutes les clés là. Non, il y a pas de spoil, mais il backseat. Ok, d'accord. Bah, évitez les spoils, les gens, parce que c'est ça, c'est juste pas ouf, en fait, les spoils. C'est un peu méchant, les spoils. Je peux améliorer Jiri ? Allez ! Jiri, t'as amélioré, les gens. Oui, arrête pas de croire que je suis mort. Mais je suis mort, en fait, tu sais, genre, c'est le principe même du jeu. J'ai toujours pas la pierre de forge niveau 4, hein. Je peux pas trouver quelqu'un qui me la vend, en vrai, putain. Lis la description de des items. Ah, fuck. De quel item? Ah, peut-être que de l'armure, en vrai. Attends. La tenue... L'armure de la dépouille royale. Est-ce qu'elle est mieux, en fait? Non, physique 12. Ici, c'est 11. Magie 9, 10, 8, 8. Magie 11, 10, 7, 8. D'accord. Immunité 35, 57, 24, 11. 28. Ah, immunité, c'est quand même un peu mieux. Ouais. Ouais, bof, hein. C'est juste pour... si on la met, c'est juste pour le style, hein. Pas vraiment pour le... pour l'armure en elle-même. Donc, du coup, à changer du fichage. Il se murmure que ces os appartiendraient à un antique souverain, le roi sans âme, le seigneur des égarés et des désespérés connu sous le nom d'Encha. Armure parée d'ossements humains dorés, portée par les disciples muets du sire Gideon l'Omniscient. Rend progressivement des PV en cas de réduction des PV? Fuck! En vrai, je devrais la porter, cette armure. Attends, hop. Attendez, je veux voir aussi au niveau des poignets, qu'est-ce qu'il dit? Le mini-tipi-tipi-ti dit la même chose. Bah écoutez, si ça rend des PV en soi, j'ai envie de vous dire... Ça donne des PV, j'ai envie de vous dire, let's go, hein. Ok, je peux toujours courir, etc. Elle est stylée, l'armure, en vrai. Elle est stylée. Elle est stylée. T'es encore là, toi, voleuse de vie? Ouais, elle est encore là. Du coup, je pouvais rien améliorer. Et je vais pouvoir parler... Je vais parler au vieux machin. Et lui demander c'est qui Encha, tu vois. Donc du coup, le mec, il était ici de sa porte, il parlait jamais. Et il m'attaque comme ça d'un coup, tu vois, c'est abusé. Journey to the capital. The two fingers will... You may be. Alors, Encha. Oh, my apologies for that nasty business. Ah ouais. Encha got rather ahead of himself, it seems. Ah ouais. As his master, I'd like to express my regret. Mes regrets, ouais. Now, Encha is slain and gone. Finished. Forevermore. Ah, yes. Allow me to tender some advice in regard to the half of this. Find the Albinoric woman. She hides in a cave to the west of the Laskia ruins, which is the most shrouded lake of Liurnia. She knows the location of the medallion's counterpart, I'm sure. Find the Albinoric woman. She hides in a cave. Elle se cache dans une grotte à l'ouest des ruines de Laskia, qui émerge du lac Naabé de brume de Liurna.
Laskia. Lurnia. Ok, c'est bon. Laskia. Oups. Lurnia. Ouais, imagine, c'est la madame en fait qui était. Est-ce que c'était la madame qui était attachée? Laskia Lurnia. On est en Lurnia ici. Je sais plus où je l'ai mis cette madame là. J'avais rencontré où encore? Attends, j'avais rencontré. Non, mais sinon, ça n'a rien à voir. Ça, c'est Sélène la sorcière. Non, c'est pas elle. C'est pas elle, c'est pas la même chose. À l'ouest, elle vit dans une grotte à l'ouest. L'ouest, du coup, c'est ici. Faut que je lui reparle, j'ai déjà oublié. Journey to the capital. The two fingers will deny. You may be our... Find the Albinoric. L'Albinoric, elle se cache dans une grotte à l'ouest des ruines de Laskiar. Les ruines de Laskiar. À l'ouest des ruines de Laskiar. Ok, ta gueule. Ta gueule. Alors, les ruines de Laskiar. Est-ce que j'ai des ruines, moi? Est-ce que ça, c'est Laskiar? C'est l'église. Ça, c'est les villages de la porte. Ok. Où sont les ruines? La tour de Testu. Les quatre beffrois. Les ruines du domaine royal. Le manoir Caria. Je l'ai pas trouvé encore cet endroit en fait. C'est peut-être ça? Si c'est ça, ça veut dire qu'à l'ouest, il y a un truc par là, tu vois. Je vois qu'il y a un truc ici aussi. Donc si c'est l'ouest de toute façon... Attends, c'est quoi ça? Les ruines purifiées, merde. La cabane de l'artiste. Hein. Le puits de Ansel, l'église, Myriel. Bon. Il y a probablement un truc là-bas. De toute façon, on s'en bat les couilles parce que techniquement, je crois que mon collier est entier, mon médaillon est entier en fait de base. Après, peut-être que c'est bien en fait de lui parler, ça fait une quête supplémentaire, ça fait du dialogue. C'est pas le même! Médaillon de Dectus et médaillon de secret de l'arbre sacré. C'est pas le même médaillon! Ce sont deux médaillons séparés! Donc je suis obligé de trouver cette meuf qui se trouve dans une ruine que je ne sais pas où ça se trouve. Je suis sur PS5. Ah bah oui, hein, totalement. Hmm. Saute du balcon de la table ronde. Déjà fait, déjà battu. Bah pour l'instant je galère pas, je suis en train d'essayer de chercher un endroit, tu vois. Là, le village des albinoriques. Forcément c'est là, non? Forcément, c'est un rapport avec ici. L'ouest. Peut-être que c'est ici, c'est les ruines de je sais pas quoi ici, non? Le village des albinoriques. Non, rien à voir. Les ruines de la... de Liorca. Liorca, 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 Liorca. Bon. Les gars. Les filles. On va se téléporter ici. À la gloriette du lac. Il est 20h23, je vais m'arrêter ici. Y pour les feux de camp. Oh, merci. Je ne savais pas. Alors, le rive sud du village de la porte. Porte sud, grande porte de l'académie, pont du village, cabane de l'artiste, plateau oriental, église des vœux, gloriette du lac, village des abionoriques, tour du prosélyte, quartier des mains, les quatre beffrois, l'île du sorcier, rive nord du Lyrna, route du manoir, grande porte du Manicaria, tour de Rani, entrée de la salle d'études. Ok, d'accord. Bah, j'ai peut-être pas en fait le point en question, tu vois. Donc du coup... Non mais c'est cool ça, merci, merci beaucoup pour le Y, je ne savais pas. Ça c'est vraiment pas mal. Quelque chose me dit que si c'est à l'ouest, de toute façon, c'est forcément... Là, une grotte, c'est forcément dans une montagne, ok? Donc je vais devoir... Oh! Je crois que j'ai... Non, je crois que j'ai fait celui-là. Pour moi, ça, c'est les ruines. Le vieillard de l'augure. Bon. Je vais monter, en fait, jusqu'ici, là.
Je vais monter jusqu'ici. Et je vais m'arrêter là-bas. Merde, attends, c'est quoi? C'est le 2. Tu veux le lore d'autres persos? N'hésite pas, j'aime beaucoup les fonds. Ah tiens, ouais. Oui, le, c'est vrai que le lore des personnages, c'est assez intéressant, mais il faut le lire en fait, hein, il faut vraiment le chercher. Ils vont pas te le donner, on va dire. C'est un défaut et en même temps une qualité du jeu. C'est-à-dire que si tu veux vraiment te pencher sur le lore, tu vas avoir une belle surprise et une belle histoire. Par contre, ça veut dire aussi que tu peux passer à côté de pas mal de choses. Parce que si tu joues simplement au jeu sans lire les textes, bah, tu sais pas à quoi ça sert. J'arrive à la fin. Ouais, t'arrives à la fin, Valou. Bah, il est 20h20. Bah, ouais, j'ai dit 20. Je parle avec un accent. Je sais pas d'où il sort cet accent. Oh, les gars. Peut-être que. Attendez. Je suis déjà venu ici. Ah, maintenant que j'y pense... Wow, stop. Il y a une grotte là. Il y a une grotte là-bas. Que j'avais pas réussi à ouvrir. Peut-être que c'est ça. Hein. Oh, peut-être que c'est lui aussi, attendez. Ah. Salut. Ah, pauvre de lui, il a sombré dans la démence. L'amour, la vengeance, la flamme exaltée brûle tout sur son passage. Je suis déjà allé là-bas. J'ai l'impression, non? On va juste jeter un petit coup d'œil. Salut Soussou! Parce qu'en fait, là, ce que je trouve bizarre, c'est qu'il y a plein de bestioles mortes. Genre, il y a un chemin de bestioles mortes, tu vois. C'est pas logique. C'est pas normal. Ok, j'ai une grâce ici. Il y a plein de monde mort partout. Edgar le Vengeur. Edgar ? Vengeur. Les ours sont plus forts que les boss, il y a des chances. Salut Rino. Salut quoi? Salut Rino. Pourquoi tu m'appelles pas Styros? Je m'appelle pas Rino. Rino c'est vous en fait. Rino c'est vous hein. Ravieux de viande crue. Je veux aller manger en fait, donc du coup ce serait bien que... Parce que là c'est un point de sauvegarde, donc du coup c'est con, il faudrait que je le tue. Je suis obligé de le tuer. C'est normal que personne m'appelle comme ça parce que c'est pas mon nom en fait. C'est logique. Rhino, les rhinos c'est les abonnés. Ça fait rhinocéros. Ok, let's go! C'est bon! Le fruit de Shabiri. L'esprit vengeur. J'ai eu son arme. J'ai eu son hallebarde. Et merci Linono pour ton 32e mois d'abonnement. 32 mois! Tu rends compte quand même? 32 mois d'abonnement. C'est insane. C'est juste
insane. Merci à toi, c'est très gentil. Alors, je suis où? La cabane du vengeur. Ouais, non, je suis venu ici parce que j'ai vu des cadavres, mais bon. On est le Rhino, on est Rhino Lucéros, on est lié, exactement. Exactement. J'espère que tu vas bien au passage. Lino qui sauce encore? Qui sauce? Ça veut dire quoi? Qui sauce? Faut me parler avec des trucs de vieilles personnes, hein, parce que moi je suis un papy, moi je comprends rien. Je suis un papy les gars, je comprends rien. Il me semble tu fais partie de tous mes tout premiers subs sur Twitch. Tu rends compte quand même, 32 mois quoi. Je sais pas combien, moi je sais pas combien de temps je suis abonné à ta chaîne du coup. Mais tu dois être abonné depuis plus longtemps à la mienne. Je suis quasiment sûr. Boomer. Eh attends, boomer, mais toi dans 2 ans t'as 30 ans. Alors je dis ça, je dis rien. Mademoiselle. Il faut que je quitte ce jeu là. Vous entendez la musique? C'est quoi ce jeu, sérieusement? Il y a vraiment quelqu'un en train de... Il y a quelqu'un en train de chanter, là, tranquille, au calme. C'est super... C'est super, comment dire, mystérieux, tu vois. Je suis en train de mourir. Là, j'ai l'impression de jouer à Witcher 3, un peu. Qui sauce égale qui régale, qui fait plaisir si tu préfères. Merci beaucoup. Séros ne quitta jamais Elden Ring. Si, je dois aller manger. Le monstre chantant. Mais elle va pas être en colère si je tue ces chauves-souris? Je voulais parler moi, elle m'attaque. Madame, m'attaquez pas. Ok, bon bah elle est morte. Mais c'est juste énorme. Genre les harpies qui chantent, mais genre une vraie chanson et tout, tu vois. Je pensais que c'était une quête secondaire ou une connerie du genre, mais en fait pas du tout, c'est juste un ennemi. Je trouve ça énorme, je trouve ça incroyable. Voilà, je suis amoureux du jeu, voilà c'est tout. Tu pouvais lui parler? J'en sais rien, elle m'a attaqué. Je pensais que c'était ta playlist les chants. Mais non! Mais même pas. En fait je suis ici parce que je cherche une vieille madame dans un... dans une caverne. Et là, j'ai trouvé une vieille dame avec le corps d'un monstre. Elle était pas dans une caverne. Du coup, c'est pas ça. Il y a des gros moustiques. Il y a les moustiques ici, là. T'es... Bon, allez, j'arrête ici parce que sinon, j'arrêterai pas. Il faut aller manger. Il faut aller didine. On va sortir d'ici. J'espère que je me souviendrai pourquoi je suis ici. Ça, c'est pas dit. Si vous êtes sur Séros VOD, n'hésitez pas à me rejoindre sur twitch.tv/Séros pour voir mes lives. Et rejoignez-moi sur instagram.com/Séros ou alors twitter.com/Séros ou encore sur ma chaîne youtube.com/Séros. Il y a trop de réseaux sociaux.